when I call your name. You will come forth. I shall place the salting hat on your head, and you will be sorted into your houses. Is levitation, the ability to make objects fly. Wingardium Leviosa. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Pier Totum Locomota. Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, comme chaque soir, vous le savez, à partir de 19h30 pour du Sims 4. Je vais déjà vous dire bonjour, donc coucou Sarah, coucou Camille, coucou Loulou, coucou Héloïse, merci Carbajal, merci à toi pour le follow. Je vois que vous avez plusieurs à avoir le même début avec Jasmin. Est-ce que ça vient de quelqu'un ou est-ce que c'est un peu bizarre, mais je vais pas avoir l'explication. Et d'ailleurs, coucou à toi Carbajal 2022, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Coucou Lebs également, coucou Isanora, merci Isanora pour ton research. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Coucou, Loulou, coucou également Loukoukoum, j'espère que vous allez bien. Coucou Audrey également, vous n'avez jamais vu ton intro, elle est trop cool. Et oui, c'est la copine Cyril Swanel qui l'a fait, donc je suis content qu'elle vous plaise. Coucou Altea également, coucou Clem, j'espère que vous allez tous bien. Attendez, j'ai Anoxy qui est en train de faire des petites bêtises. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, enfin à vous dire, c'est des trucs sur ma vie, donc ça n'a rien de bien intéressant. Coucou Légion également, comment ça va? Du coup, j'ai fait quelques petits achats compulsifs entre avant-hier et aujourd'hui. Et coucou Azenia, comment ça va? Du coup, j'ai enfin acheté et reçu la fameuse gamelle pour Noxy automatique. Et ça va me sauver la vie. Je n'ai plus besoin de mettre des croquettes. Ça se met automatiquement. Et ça, c'est trop bien. Et j'ai fait une grosse bêtise. En fait, lundi soir, avant d'aller au cinéma, je suis allé chez des amis. Et ces amis-là avaient la collection de Funko Pop des Pokémon. Et je me suis toujours dit, non, je ne la ferai jamais, parce que j'aime trop les Pokémon, et j'ai déjà beaucoup trop de Funko Pop derrière moi, et que ça serait con si je commence une nouvelle collection. Sachant que j'ai déjà quelques Funko Pop de Pokémon. Du coup, j'ai déjà le petit Pikachu, j'ai le Caninos qu'on m'a offert. Le Pikachu, il n'y a que moi qui me le suis acheté. Après, le Salamèche qu'on m'a offert également. Et puis voilà, et coucou Bucket, comment ça va? Et coucou Azenia, je sais plus si j'ai dit quoi. Mais j'ai craqué, j'ai acheté ça. Voilà, donc ça commence à être une catastrophe, parce que si je commence à acheter les Funko Pop Pokémon, je vais plus m'en sortir, je vais plus avoir de place. Du coup, j'ai acheté celle-ci, elle était en promotion, je l'ai eu à 9€ sur Amazon, et j'en suis plutôt content. J'en ai 16 de Pokémon en taille normale, mais c'est interminable parce que chaque pop a plusieurs versions. Oui, alors moi, par contre, pour le coup, si je les achète, c'est une version à chaque fois. Et du coup, j'ai la petite Aqualie qui est une de mes évolutions d'Evoli préférées parmi la première génération. Et donc, voilà. Je vous la montre un petit peu. Je la trouve trop, trop stylée. Voilà. Donc, elle va trôner fièrement sur mon bureau. Et voilà, c'est un petit peu l'achat compulsif que j'ai fait. Aqualie, oh là. Il y a Noctali aussi qui est pas mal. Hein. Tu as dû commencer la collection Funko Pop tout réuni il y a combien de temps? Et merci Orionox pour ton resub, merci beaucoup pour ton 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci. Attendez, j'ai oublié de le faire, faut que je le fasse deux fois. Merci à vous pour les petits applaudissements. Mais merci. Je vois tous les messages avant de voir le stream, je suis sur mobile. Ah oui, sur mobile, des fois il peut y avoir un petit délai. Du coup, ça peut arriver. Mais merci du coup Aurélien pour ton resub, pour ton 11e mois d'abonnement. Bientôt un an, donc merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Tu as commencé ta collection de Funko Pop tout réuni il y a combien de temps? Le son d'alerte est offline? Ah bah attendez.
Bah non, normalement il devrait apparaître. Attendez. Je vais mettre mon casque. Le son d'alerte marche pas ? Alors moi je l'entends. Vous l'entendez ou pas ? Ah bon, voilà. Non, il est bien online. Il est bien online. Mais oui, bientôt. Ah non, ça passe. Mais oui, ça passe trop vite. Mais oui. Non, mais avec les beats. Ah bah attends, si avec les beats. Alors faut que je vois parce que des fois c'est juste le mon compte qui se désynchronise. Sound alert. Et puis on va passer après sur le jeu. Alerte. Voilà. Hop. Et Orianox qui participe pour le concours pour Disney. Hop. Donc je vous rappelle que c'est pour tenter de remporter une place pour le 26 août. Voilà, donc en fait je ferai gagner deux viewers qui participeront en fait avec le petit point de chaîne. Je ferai le tirage au sort du coup normalement fin juillet début août, donc ce sera le vendredi 26. Je vous paierai la place. C'est à vous par contre de vous déplacer, mais moi je vous paierai l'entrée du parc sans aucun problème et on passera la journée ensemble. Et même à ceux qui, s'il y a d'autres gens qui veulent venir mais qui paieront leur place de leur côté, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde. Hop, voilà. Et coucou Chouki, comment vas-tu? Son d'alerte, voilà. J'ai vu Inès a publié la vidéo sur les streamers qui ont fait les challenges. Je regarderai demain et tu es dedans ou tu sais pas? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas si j'y suis parce que j'ai mal compris une des règles. Donc ça se trouve, je n'y suis pas. Alors attendez, son d'alerte. Ah bah oui, j'étais plus connecté. Voilà, ça devrait le faire. C'est bon! Ah! Et merci de... Il y a pas de live. Merci les gens pour le sub gift à Lucifs. Merci beaucoup. Bah alors, pourquoi ça marche pas? Ça devrait fonctionner. Je pense que c'est juste les alertes qui ne marchent plus, qui sont cassées. Mais alors attendez, du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette le... ce que vous savez. Ah, attendez, déjà, on va passer sur le jeu. On va passer sur le jeu tout de suite. PC. Forcément, ça se met une deuxième fois. Donc, hop. Et puis qui dit Trad Live, vous le savez, dit que je mets la petite musique. Et coucou Tapi Arm, coucou Gélinette également. Et coucou Apolomi, j'espère que vous allez bien. Et remercie du coup pour le sub gift. Merci beaucoup. Tiens, en Prime, bah c'est gentil. C'est gentil. Alors, vous me dites qu'il y a la vidéo de NS. Je l'ai pas vue. Vous êtes sûr? Parce que je la vois pas, moi. Tu dis quoi que quand tu es monde comme ça? Et ben attendez, hop, point d'exclamation mode. Et non, vous allez avoir le petit. Voilà, c'est. Les maps, c'est 20 Century Plum Bob qui les fait. Déjà le mode, genre les maps, c'est incroyable. Mais ça change tout. Mais ça change juste les maps, ça change rien d'autre. Et merci Reza pour le follow. Merci beaucoup, merci Orianox également pour les 100 bits. Merci beaucoup, merci, ça fait super plaisir. Et coucou Sofiane. Merci. Et la vidéo de NS, elle l'a pas encore posté. Les créateurs. Bah pourtant moi j'ai testé, ça a fonctionné. Merci Lev pour le sub gift à Ian. Non mais n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci Lev, ça fait super plaisir. Merci pour ce sub gift. Et bah je sais pas pourquoi le son d'alerte ne marche plus. Yep. Bah voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup Légion pour les 200 bits pour Kodioko. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à mettre les petits Pikachu qui dansent pendant qu'il y a la musique de Kodioko. Merci beaucoup. Parce que Kodioko, c'est là. Ouais, ça marche. Aujourd'hui, on a mangé des fiches à la rue. Bah, voilà. Petit mot de Pikachu qui fait plaisir. Donc, voici ce qu'on avait fait hier. La musique se termine. Je vais m'asseoir. Hop. On s'assoit. Ah, parce que mes sourcils sont un petit peu vieux. Hop là.
Et puis bon, on continue de mettre le musique de la train de la hype, puisque du coup on est passé au niveau 2 du train. Je crois que... Oui, non, mais oui, c'est ça. Pourquoi ça m'étonnait? Ça sort une vidéo par semaine, je crois, au niveau des créations. Alors, je vais un petit peu changer cette maison-là. Juste, je me plains, mais ça fait attention à toi. Bah, en fait, c'est que la rhubarbe, moi, j'aime pas ça. Après, voilà. À voir. Et coucou Ralia, comment tu vas? D'ailleurs, si, c'est ça que je voulais vous dire. Oh, j'ai enfin reçu le QR code pour la TwitchCon. Donc, c'est officiel. Je vais pouvoir aller à la TwitchCon sans aucun problème puisque j'ai tous les papiers qu'il faut. J'ai mon passeport, j'ai ma réservation et j'ai bien le QR code qui me manquait depuis 2 mois. Et le QR code est enfin arrivé. Je vais bientôt pouvoir prendre un ticket pour le concours. Oh, trop bien! Et donc voilà, donc du coup je suis trop content parce que bah, ça stresse, ça faisait un peu stressé quand même, mine de rien, de ne pas avoir le QR code. Et là, bah, c'est chose faite. Je l'ai récupéré. Et je pense que je vais mettre la moitié de la maison jaune et l'autre moitié comme ça. Hop. Je pense en vrai casser ça pour l'instant. Du coup, la location, tu vas la meubler. Oui, oui, je vais la meubler. Merci, Zanora, pour les 50 bits. Merci à toi pour la petite musique de Harry Potter. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Hop, et remets la petite musique. Bah écoute, ma fille et mon mari, la chose exceptionnelle, l'ont mangé, donc ça doit être bon. Bah visiblement. Visiblement. Alors, excusez-moi, parce que en fait, la maison, je n'aime pas du tout. La maison, je n'aime pas du tout ce que je fais. Donc, il y a grave moyen que je casse tout, en fait. Le mec relou. Parce que j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Je pense qu'on va casser. Je pense qu'on va casser, on va refaire. Je sais, vous allez me détester. Après, il y a peut-être moyen de faire autrement. Si on met plutôt des petits murs. J'ai une idée. Hop. Le casque de Mr. C'est ça. Par contre, je mets la musique en boucle. Pourquoi ça ne me la met pas en boucle? Voilà, allez. Et ben voilà, du coup, le train de la hype est terminé. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. Ah, j'ai déjà obtenu tous les émotes du niveau 1. Mais merci à vous, à tous ceux qui ont participé à ce train de la hype. Merci beaucoup. Je vous fais des petits applaudissements. Merci beaucoup. Merci pour les 4 abonnements et ces 350 bits. Merci beaucoup. Merci. Et coucou Letty, comment vas-tu? Et coucou Dunia également, comment ça va? La prochaine fois, j'en fais un pour tout le quartier et toute la ville. Ah, carrément. Alors, attendez, il faut qu'on mette la petite musique. Ta galerie Sim, c'est impressionnante. Je suis dessus là. Ah, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, content qu'elle vous plaise. Moi ça va, c'est mon anniversaire. Oh bah oui, c'est vrai, on t'a souhaité ton anniversaire en plus sur Discord. Et bah joyeux anniversaire. Non, c'est pas ça. Non. Ouh, heureusement que j'ai pas cliqué là-dessus. Anniversaire. Là. Joyeux anniversaire, Dunia. Joyeux anniversaire. J'espère que t'as passé une bonne journée. D'ailleurs, je vous ai même pas posé la question, mais j'espère que vous avez passé une bonne journée, les gens, sur le chat. Voilà, que vous avez pas trop fatigué, vous avez pas passé une journée trop chiante. Voilà. Tout s'est bien passé de votre côté. Moi, au niveau du travail, c'était plutôt cool. Demain, je suis en week-end, puisque je vous le rappelle que, exceptionnellement, vendredi, il n'y aura pas de stream sur la chaîne, puisque je serai à Montpellier avec une partie de la team S404. Je vais aller retrouver notamment la copine Cyril. C'est pas compliqué, je vais aller voir. On va voir. Normalement, on voit Moon, Cyril, Lucaela et Sissourine. Je pense que je vais faire ça. En vrai, vous savez quoi? On va changer tout le design de la maison.
on va changer le design de la maison parce qu'en fait, ça me plaisait pas. Je pense que là, ce que je voulais faire, il me fallait d'autres packs. Et malheureusement, je ne les avais pas. Donc, on va faire autrement. Hop là. C'est pas moi qui paiera. Ah, bah oui. Ah oui, 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 oui. Mais jusqu'à la prochaine fois, Apollomi. Jusqu'à la prochaine fois. Juste stressé vu que depuis hier, je n'avais pas de nouvelles de mon copain qui m'a appelé ce soir pour me dire que qu'ils ont fait de garde à vue. Ah mince ! Ah bah j'espère que c'est rien de grave. Et coucou Lilicorne, comment ça va ? Moi ça va bien. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas, demain 18h, c'est la fin des soldes d'origine. Ah bah merci Sarah de le rappeler, parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait des soldes. Hier on parlait du Z-Event, je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui Twitter, mais j'ai l'impression que ça sent pas bon pour l'édition de septembre. Ah ouais ? Bah je pense que les gens ils oublient un peu trop que bah c'est en fait c'est pour une bonne cause donc mais ouf, je sais pas trop regardé, j'ai pas été trop été sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hop, ça m'inquiète de fou. Bah il va, tu m'étonnes. Bah j'espère qu'il a rien fait de grave quand même, hein, parce que pour finir en garde à vue, c'est qu'ils ont pris une asso qui a des casseroles. Bah je pense qu'il y a un peu toutes les assos qui ont des casseroles, hein. Bon, on verra bien. On verra bien comment ça va se faire. Les assos comptés par BNP Paribas, c'est parmi les polluantes en France. Ah, génial. Les investissements, ok. La banque est hyper présente dans les paradis fiscaux. J'ai investi sur le PR. Ah, ouais. En effet. On est sur le travail compliqué. L'important, c'est qu'il soit sorti et qu'il rentre. Ok, d'accord. Mais il a pris une claque par le flic. Ah, oui, carrément. Ah, bah, génial. On adore le policier. Ça ressemble à une maison hantée où il y a eu des morts dedans. Coucou Alex. Bah oui, en vrai, c'est un petit peu l'idée. Travaille dans quoi? Ce n'est pas indiscret. Je suis graphiste. Et coucou Defreux, comment tu vas? Je suis graphiste, tout simplement. Disons que quand tu es une asso écologique, c'est pas ouf d'être financé par Total. Oui, c'est sûr. On a vu mieux, en effet. Si je fais ça, construire un plafond. J'ai un peu peur que là, ça fasse trop. Après, en vrai, je peux avancer la maison d'un cran. Est-ce que ça serait choquant? Alors, ça va être choquant parce que ça va casser tout ce que j'ai fait. Mais bon, je suis plus à ça après, j'ai envie de vous dire. Voilà, puis bah, le petit toit ici, on va faire ça. Pour l'instant, on va casser ça. Yep. Bah on verra, comme je dis, on verra bien ce qui en sortira. Ça me fait tellement penser à l'ancien générique de la copine Cyril, ça. Hop. Non, mais la prochaine fois, ce sera pas vous qui choisirez le repas de mon rôle de Bert. Ça va. De mère va faire le choix. Ah oui, mon rôle de mère va faire le choix. Ah bah oui. C'est dommage, je crois que la communauté avait bien apprécié le fait qu'on choisisse le repas de ta famille. Oh, c'est super graphiste. Tu es auto-entrepreneur ou alors tu travailles pour quelqu'un? J'ai travaillé dans une société. Je suis pas auto-entrepreneur, je n'ai pas envie de l'être. Ça va, je m'en ai chargé. Car ma collègue était malade. Ah mince. Donc très contente de me poser dans ton stream. Ah. Vous savez, ici, c'est tranquille, c'est posé, c'est chill. On se prend pas la tête. Et on se repose. La petite musique chill est faite pour ça. Il y a juste de temps en temps Légion qui essaye de nous faire peur avec les sons d'alerte. Et Sinoc, parce que des fois, elle s'y met aussi. Oula, mais il m'a fait quoi, lui? C'est faux, calomnie. Je crois que je dois avoir des clips qu'il prouve. Et oui, qu'est-ce que ça n'aurait pas été une maison de Glimmerbrook si je n'avais pas mis de tour. Ah, oups. Et on va la mettre là.
Par contre, je pense que là, elle va commencer à coûter bonbon, la maison. On va peut-être pouvoir la réduire un peu, parce que je pense qu'elle est trop large. Bah, en fait, il était deux au final, ils se sont fait virer, mais en fait, le collègue lui volait. Bref, le soir, quand il est sorti du vestiaire, peut-être le collègue, il a eu substitution de vol, mais aucune preuve, en fait. Ok, là, ouais, ok, si je viens de comprendre. Okay. Bon, bah, en espérant que ça se corrige, quoi. D'ailleurs, en tant que graphiste pro, j'aimerais que tu juges notre nouveau logo. Bah oui, déjà. Je sais pas, il est peut-être sur le Discord. Enfin, sur le Discord de l'asso. Vous voyez pourquoi? Yeah, je vous aime bien, mais des fois, je vous aime pas. Notamment quand vous faites ça. Ça, je ne l'ai jamais mis. Et regardez, je ne peux pas l'enlever. D'accord. Et coucou Luna, je passe juste faire un coucou. Je vais manger. Je vais bientôt manger. Il n'y a pas de souci, Luna. Mais écoute, bon appétit. Donc, si elle a eu trop peur, je me suis. Mon chat, bah alors. J'ai baissé mes accoudoirs, ça a fait du bruit, elle a eu peur, la peau. Il est sur le nouveau qui fait. Ah, je l'ai pas vu. Oui, merci. Ça va, elle est tant mieux. Là. Envie d'une pizza, peut-être. Alors, en vrai, ça aurait été drôle. Ce qui aurait été encore plus drôle, c'est qu'en fait, on qu'il y ait les votes de la pizza et que c'était nous qui choisissions la pizza et qu'on vous donnait la pire pizza qui existe. Excusez-moi hein, pour ceux qui l'aiment bien, hein. Mais la pizza à l'ananas. La pizza hawaïenne, là. Il y a des gens dans le chat qui mangent cette pizza infâme. Je viens de me faire déglinguer par un moustique. J'ai une guerre à mener, je reviens. Ça sent le coup de tong ou le coup de chausson. Non, alors, on ne banne pas les gens, Leps. On ne banne pas les gens parce qu'ils aiment des choses un petit peu, certains un peu étranges. Mais on ne les banne pas pour ça. Celle-ci. Donc celle-ci, elle coûte les yeux de la tête quand même. Hein. La meilleure, c'est le 4 fromages. On est d'accord. La guerre a été menée. On peut dénoncer à la police. J'ai jamais goûté la pizza à la façon. Une fois, j'en ai mangé une et après, je me suis réveillé. Ah. Un peu surtout que bar à pizza dans notre ville est à côté de chez nous. Donc, on sent tout. Oh! Ça, c'est la pire chose au monde. Je pense que c'est de vivre à côté d'un resto, d'un truc comme ça. Moi, à Angoulême, je vivais littéralement en face de la Micaline et à côté du Quick. Ça sentait soit les pâtisseries et le pain au chocolat et tout, soit ça sentait littéralement le gras. Et merci, Morgane, pour le follow. Merci à toi. Merci beaucoup. On s'approche, mine de rien, des 6000 followers sur la chaîne. On s'en approche, hein. Doucement mais sûrement. Donc vraiment merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ça fait quoi si je fais ça? Bah voilà, ça bug plus. Pizza margarita. C'est le test de reconnaître les bonnes derrière. Bah en vrai les margaritas c'est des pizzas ultra classiques. Après, oui, c'est sûr, c'est comme ça que tu reconnais un peu une bonne pizza. À la limite, c'est s'ils arrivent à faire les classiques, mais bon. Ah, bah déjà, vous savez quoi? Je préfère la maison comme ça. Je trouve ça plus joli. Et coucou, Alexia, comment ça va? Comment vas-tu? C'est une raison de déménager, j'avoue. La brique ne va pas avec le jaune du brun. Aussi, ce serait beau. Je n'ai pas du tout terminé. Pour l'instant, je suis en train de construire un petit peu à l'arrache. Et je pense que le jaune, je vais l'enlever. Je vais plutôt mettre du blanc ou du beige, je pense, sur la façade. Genre, plutôt celui-là. Ah! Je pense que ça rend mieux. Alors, à chaque fois, je me fail. Quoique, nous. On adore ce jeu. On adore quand le jeu bug. Voilà.
C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La meilleure, c'est la Montana. Mais oui, la pizza que je prends tout le temps, c'est la Savoyarde. Voilà. Parce que reblochon, patate, lardon, base crème. Parce que oui, une pizza, c'est base crème. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, j'avais envie de faire semblant de vomir. L'embauche, plus j'avais KFC. Ah, carrément! Pour toi, moi j'aime bien. T'aimes pas KFC, Paul Louis? Moi j'aime bien. En fait, je trouve que ça change en termes de fast-food. C'est du poulet. Et puis c'est du poulet qui ressemble à du poulet. Parce que bon, les nuggets McDo, c'est pas du poulet qu'il y a dedans. Donc. J'aime beaucoup là, cette petite maison. Bah, ça va être la location qui va coûter à mon avis les yeux de la tête. Mais bon, vous êtes habitué à mes locations qui sont beaucoup trop chères. Voilà. Ah, oups. Bah oui, mais si je fais ça ici, ça va être moche. Bah oui. Tu partageras ta save à la fin? Alors oui, Althea. Alors déjà, de base, je partage les constructions déjà. Enfin, je vous les partage. Je vous les mets dans ma galerie, mais oui. Et coucou, Athanaïs, comment ça va? C'est deux fois à KFC et deux fois, je t'amène à l'hôpital. À l'hôpital? Mais tu mettais quoi dans ton KFC? Faut y aller quand même pour aller à l'hôpital à cause d'un KFC. Ce midi avec Leps, on a fait un KFC. Bah, j'ai été déçu. Je trouve que ça a perdu en qualité. Du moins celui qui on n'a pas lancé. Ah ouais. Mais ça crèche la pizza, c'est la base sauce tomate. Mon cœur italien est brisé. Base crème fraîche. Base crème fraîche. Parce que la crème fraîche, c'est la vie. La crème fraîche, c'est la vie. Je suis désolé, mais voilà. Pour moi, la crème fraîche, c'est si bon. Hop, toi, tu vas venir là. Voilà. Team Basque. Eh ben voilà, regardez Morgane, premier message dans le chat. Et voilà, une personne de confiance. Voilà, qui dit que Basque crème fraîche, c'est les meilleurs. Moi, j'ai jamais mangé KFC. Ah ouais? Bah, faut aimer le poulet, quoi. C'est combien en moyenne les locations sur les Sims? Car j'en ai commencé une et rien qu'avec l'extérieur, avec la fondation, c'est 316 par jour. En gros, c'est pas compliqué. Pour comprendre à peu près combien va faire ta location par jour, en fait, faut enlever 2 zéros au montant qu'il y a ici. Donc là, par exemple, actuellement, enfin, tu enlèves les deux derniers chiffres. Donc là, en fait, j'en ai pour 183 euros la nuit pour l'instant. Enfin, 3, 183 Simflouz. Vous parlez pizza et burger alors que je fais attention à ce que je mange. Je suis déjà inscrite à la salle de sport. Mais en vrai, tu peux manger des. Tu peux, si tu fais des pizzas à maison, tu peux te faire des pizzas healthy, entre guillemets. Basse crème fraîche. Ah oui, c'est sûr que basse crème fraîche, par contre, healthy, ça marche pas. C'est quoi le principe des locations sur les Sims? Ça marche comment? Bah, quand tu pars en vacances, c'est juste que tu peux partir là-bas, dans ces maisons-là. C'est où qu'on trouve tes œuvres, faut-il t'ajouter? Et oui, c'est quoi ton nom? Alors Alex, regarde, hop là. En fait, sur la galerie des Sims 4, tu tapes Mister C1 dans les idées origines, tu vas me retrouver et tu peux télécharger mes constructions. Tu n'es pas obligé de follow ou quoi que ce soit. Ce soir, nous, c'est pavé de saumon, sauce à l'oseille et patates nouvelles du jardin de la ma grand-mère. Ah, ça, c'est pas mal pour les patates. Bon, par contre, je mets un veto pour le poisson cuit. Et patates à pizza maison, c'est une tuerie et tellement ça. Hein. Ne cuisine pas. Mais en moyenne, c'est combien par nuit pour que ce soit considéré dans la norme? Dans les Sims? Bon, il n'y a pas réellement de norme, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que mes locations sont souvent très chères, enfin, sont souvent chères. Mais en fait, je trouve que dans les Sims, c'est tellement simple de se faire de l'argent que bon, c'est pas très grave si c'est un peu cher, quoi. J'ai très envie, en fait, de tout mettre. Ouais, bah, à mon avis, ça va être bien mieux comme ça. Et juste avec une petite partie en brique, genre celle-ci, celle-là. Et genre cette petite avancée, on la laisse comme ça. Je pense que ça peut être très cool. Ce soir, c'est haricots slash poisson pané pour moi. Après le sport, j'en ai eu grandement besoin, papy.
Bah moi, alors moi j'ai mangé cette fois-ci avant le stream. Et j'ai mangé, c'est, vous savez, c'est les c'est une espèce de ravioli un peu farci. Non, c'est pas les ravioles, comment on appelle ça? C'est des ravioles panna cotta, épinards, tout ça, tout ça. Ça, j'aime bien en manger, je trouve ça bon. Moi, c'est taboulé, chips et yaourt. Oh, en parlant de chips, j'ai craqué ce midi en allant à mon taf. J'ai acheté des chips à la truffe. Alors, attention, c'est pas un truc. Alors, le paquet coûte 2,50 €. Mais c'est les chips de chez Tyrants. Et elles sont si bonnes, ces chips. Elles sont trop, trop bonnes. Et du coup, bah, elles étaient encore en vente à côté de mon taf. On en trouve presque plus. Et donc, du coup, bah, je les ai achetées. C'est la première fois que je regarde un de tes lives et j'adore. Obligé de m'abonner. Merci beaucoup, Morgane. Ça peut se faire plaisir. Après, dans la vraie vie, une maison, ça tourne autour des 1000-1500 la nuit. Pour une location ? Oh, peut-être pas non plus. Ça fait beaucoup. Hein. Pas pour rien qu'en 10 ans de vie commune, mon mari a pris 10 kilos. Oui. Je comprends. Bonsoir, c'est poulet rôti. Un bon petit poulet rôti avec des frites. C'est très beau. Merci, Ti. Enfin, quelqu'un qui m'encourage. En tout cas, je suis tout cœur avec toi. Je vais rater des messages. Excusez-moi. Moi, c'est pâtes, saumon fumé et banane. C'est comme quand on se rappelle de ton mélange des quatre choix. Attends, comment ça? Ma mère, elle a fait le ménage. Elle a fait mélange mayo chips. On est où là? Ah ouais, non, mayo chips, je suis pas d'accord. Je vous laisse. Bon, là, pas de soucis, Lilicorne. Passe une bonne soirée. Repose-toi bien. C'était très, très sympa de t'avoir avec. Alors. Ici. Voilà. Est-ce que je vais... Je pense que je vais enlever ça, en fait. Finalement, je vais enlever ce côté château. Et on va venir mettre, du coup, eh ben, une toiture. La petite corniche que j'ai l'habitude de mettre sur mes constructions. Donner un joli toit. Ah! Voilà. On va te mettre là. Et toi, on te réduit. Easy, perfect. Voilà. Et toi, on te met là. Et toi, on te met là. Ce qui est bien avec les toits, c'est comme c'est gratuit, ça coûte que dalle. Et oui, bah, c'est gratuit, ça coûte que dalle, Cyber Mister C. En tout cas, c'est bien pratique. J'espère que ce sera quand même que tu seras là quand je reviendrai, sinon à plus tout le monde. Bah ça dépend quand est-ce que tu reviens Luna, mais sinon moi je continue de streamer jusqu'à 22 h. Donc voilà. D'ailleurs je ne sais pas si parmi vous dans le chat ont eu des examens, ont eu le bac ou quoi que ce soit. En tout cas j'espère que vous avez réussi vos examens. Je crois qu'il y avait les résultats hier. Pas le sport, c'est un problème. Mais moi, j'ai pris du poids aussi, il faudrait que j'en reperde, mais ça, disons que mon corps a pas l'air de décider de vouloir perdre. Hier, tu avais dit, je propose une pizza bolognaise avec supplément, sushi et nuggets. Ah oui, c'est vrai. Quelle horreur cette pizza. Bah, c'est bon, je reviendrai entre temps. Alors, bon, bah, attends. Le combat de ma vie, mais garde ta motivation et n'oublie jamais pourquoi tu as commencé. Oui. Et puis surtout, si jamais vous voulez perdre du poids ou en gagner, ça dépend des situations. N'oubliez pas de le faire que pour vous et pas pour une personne. Excusez-moi. J'avais oublié qu'elles existaient dans ces couleurs-là. Attendez. J'ai totalement zappé. C'est là-bas, on a notre petite starter. Starter toute mimi. Et toute mignonne. J'aime bien la petite starter. Faites attention les personnes qui commencent le sport en souhaitant perdre du poids, faites-vous suivre par une diététicienne. C'est le mieux pour ne pas tomber dans l'extrême à condition de bien la choisir. Oui, c'est vrai. Alors, mieux ou pire que celle de l'ananas. Ah non, en vrai. Ah, c'est compliqué. Parce que là, tu mets une colle quand même. Hein, parce que. Ouais, non, quand même. Il y a quand même des trucs qui sont sacrément dégueux, quoi. Ouais. Je reste dubitatif. Faire du sport et manger 5 pizzas par semaine, c'est pas très utile. Bah ça dépend. Si tu fais que des pizzas avec dessus des épinards, du poisson, des choses comme ça, en vrai, ça doit pas être si mauvais pour la santé.
Je sais pas, hein, je vais pas utiliser Titien, je mange très mal. Oh, bah ça faisait super longtemps que c'était pas arrivé. Une petite attaque de bot. Ah bah on adore. Et bah on ira supprimer ça. Oh bah ça faisait longtemps. Et coucou Fabiola, comment vas-tu? Comment ça va? Quand tu dis attendez, j'ai pensé attendez une minute, ouais non mais c'est ça. Sur cette pizza bolognaise simplement. Oui c'est ça. Hop. Ah oui non. Top. Ah je pensais qu'on pouvait arrêter mais pas du tout. Skip alerte, voilà. Tu as raison, je t'ai accompagné vers mon généraliste. Ça faisait longtemps. Mais oui, ça faisait longtemps. Enfin, quand je dis ça faisait longtemps, c'est que c'était les bots. Hop. C'est pour le coup, je crois que tu n'es jamais venu ici, Fabiola, si je dis pas de bêtises. Hop. Allez. Qu'est-ce que je cherchais? Les fenêtres. Perso, j'ai arrêté de monter sur ma balance tant que je rentre dans mes fringues et que je suis bien dans mon corps et ma tête. Les chiffres sur ces foutues balances, je n'y prête plus attention. Bah, c'est si vous, il faut plus y prêter attention. Hein. Ça, c'est faisable. Puis, n'hésite pas à venir parler si tu veux, si tu as besoin d'être reboosté ou pas. Bah oui. Je suis rarement dispo, du coup je regarde des rediffs. Ok, d'accord. Ok. Bah écoute, ravi de te voir parmi nous. J'en ai eu beaucoup là, je crois. Ah oui, j'en ai vraiment eu beaucoup. Je peux me remettre? Ah bah non, toujours pas. Attendez, mute alerte, voilà. Et là, non, si je fais ça, c'est bon. C'est bon. Voilà. Oui, le mieux c'est de faire sur le long terme et ne pas se presser sur. Et tu vas y arriver. Oh, j'ai deux mute les alertes dans BO. Hop. Attendez, j'ai trouvé. Voilà. On spam clique. Ça fait du bien d'en parler, bah oui. Je me doute. Mes filles, Héloïse et Louise, veulent te dire qu'elles t'adorent et même si elles n'ont pas gagné hier, c'est très bon. Bon, bah voilà. C'est gentil, bah merci à elles. Merci, Héloïse et Louise. Pour écouter votre maman. Attention si vous écoutez pas. Hein. Ça va barder. On va essayer de mettre ça, ça peut être sympa. Ou peut-être celle-ci. Ah, celle-ci elle est jolie. Quoique. Et merci les jeux pour les 100 bits. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah, j'ai fini d'écrire mon message. Du coup, je crois qu'il y a que moi qui n'ai pas apprécié le KFC. Ah bah peut-être, oui. Peut-être. Alors, à la base, on a dit qu'on devait mettre des fenêtres. Alors, on va faire ça. Question sur les maps, remplacement, les fichiers, on les met bien dans le dossier mode. Oui, c'est ça. Tu mets dans le dossier mode, tout simplement. Alors, est-ce que on peut mettre celle-ci en mode vitrail ou pas? Oui, on peut. Ah, mais oui. C'est le vitrail bleu. Ah, et ça rend pas bien. Tristesse et désolation.
Je m'inquiète pas, elle nous écoute déjà sur des filles avec son retard. Bon, bah, tant mieux. Coucou, hier, j'ai craqué pour le pack éco. Ah, le pack écologie, alors tu en penses quoi? Le pack écologie, c'est soit on aime, soit on aime pas. Clairement, c'est. Ça dépend des gens. Bon, c'est pas spécialement un pack qui a une grande place dans mon cœur, si je puis dire. Mais il reste sympa. Bon, on va vous laisser en blanc, je pense. J'aime bien. J'aime beaucoup rien que les meubles. Bon, si j'aime bien, c'est l'essentiel. Louise demande quel âge tu as. Ce n'est pas trop nécessaire. J'ai 28 ans et je vais sur mes 29. Ça me perturbe parce qu'en fait, ça fait pas centré. Alors que techniquement, ça l'est. C'est à cause de la tour que ça ne l'est pas. Du Dortax. Moi, j'adore le style de l'ameublement, etc. Ok. Ça fait 35... Non, mais ça ne va pas dire n'importe quoi. Non, j'ai 28 ans. Je vais sur mes 29. Ça va être un peu complicado, sauf si je fais un semblant avec ça. Ouais, mais ça va être moche. Ah! Et toi, Mr. C, tu en es où avec le sport? Ouh là là, bah, j'ai arrêté, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a des Team Verso dans le chat? Oula, alors. Moi, je suis Scorpion. Monde magique. Et coucou Fat, comment vas-tu? Bon lurkage à toi, je vois que tu as mis le petit lurk. J'espère que tu vas bien. C'est super moche si je fais ça. Par contre, toi... Oh, en vrai, petite phase lunaire comme ça. Je sais pas. Team Scorpion. Poisson. Moi, passons. J'ai à l'ouest aujourd'hui. Je passe mon code pour le permis le 15. Oh bah, bon courage. On croise les doigts pour toi. Et attendez, vous savez quoi? Je vais boire de l'eau parce que j'ai soif. Et personne ne pense à m'hydrater. Savez-vous, je me regarde en travaillant. Le Covid a quitté mon corps aujourd'hui. Enfin. Ah bah, GG. Attends, je vais faire un petit applaudissement. De ce que j'ai compris, vous êtes plein dans le chat à avoir le Covid. D'ailleurs. En parlant au Covid, parce que j'ai vu que les chiffres s'affolent. J'espère que le Covid va se calmer un petit peu, puisque je vais à la TwitchCon la semaine prochaine. Il y a intérêt à ce que je ne chope pas le Covid à ce moment-là. Je ne veux pas du Covid. Le Covid, tu ne t'approches pas de moi. Puisque je veux pouvoir profiter de ce moment. J'écris un. Ah, pardon. Ah, bah oui, mais n'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant de trucs en privé. Attendez, je regarde juste un petit truc sur Discord. Parce qu'on m'a dit d'aller regarder un truc tout à l'heure. Et j'ai oublié. Mince. J'ai trop de Discord. Là. Jamais eu, moi pourtant, je suis dans le domaine des pompiers. Bah, tu sais, moi je l'avais jamais eu non plus jusqu'à ce que. Comment dire Ah bah, jusqu'au mois de février. C'était pas fun de dire que j'ai 3 doses de vaccin, j'imagine pas sans ça. Bah, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Ceux qui sont vaccinés, on a. Enfin, moi, peut-être quand je l'ai eu, j'avais 3 doses. Bah, garde espoir, mais c'est de s'appeler le aujourd'hui. Ouais, bah, enfin, évidemment, ils sont pas pressés et puis ils n'ont pas l'intention de remettre le pass ou quoi que ce soit, donc c'est pas plus mal. Enfin, de faire des restrictions, c'est ce que je veux dire. Légion, t'es là ou pas? Ou tu es parti?
peut-être que les jeunes n'est plus là. Je me tiens pas du tout au courant de ce qui se passe hein, sur les réseaux. Mais pourquoi la musique d'Arc Live se relance? Oui, je viens de voir le petit logo. J'aime bien, mais je trouve que la partie supérieure du logo est trop éloignée de la partie basse. De mon point de vue de graphiste. Mais sinon, j'aime bien l'idée. Tu sais quoi? On va faire un peu de déco en même temps. Faisons un petit peu de décoration. J'ai commencé à remettre mon masque dans les lieux publics perso. Ah, moi pas. Peut-être que dans les transports en commun, je le ferai. Parce que là, je sais que je prends le train. Je prends le train ce week-end. Pour aller à je vais à Paris, après à Paris je vais à Montpellier ce week-end, donc en vrai de vrai là je pense que je vais le mettre parce que dans le train pour éviter tout souci tout simplement. Je suis bien content de ne pas avoir à prendre le tram et le métro pour aller au travail, ça m'évite déjà ça. Oui c'est ça, les couleurs vont changer, ça va partir plus sur du bleu, et pour ce que tu as dit j'ai pas compris. Bah le logo, t'as la partie on est bien d'accord que ça parlait du logo t'as la partie avec la manette et t'as la partie avec le texte, et en fait je trouve que la manette elle est trop loin de l'écriture. Moi ce que j'aurais vu c'est l'écriture en haut et la manette avec les deux mains juste en dessous de Legacy. À mon sens, selon mon point de vue. Après, voilà. J'ai très certainement chopé le Covid dans l'avion. J'étais la seule à porter un masque. Ah merde! C'est pas bizarre, vu que la maison est très carrée. Je vais voir, peut-être qu'on va enlever la véranda. Il y a moyen qu'on enlève la véranda en vrai. Là, ça peut être pas mal. Ouais, je mets un peu les fleurs parce que j'ai un peu de mal là, avec cette maison. Pourtant, ce qui est ouf, c'est que j'arrive à faire des rénovations de malade mental, enfin de malade mental, très rapidement sur les maps que je n'aime pas. Par contre, les maps que j'aime bien, je mets un temps fou à les faire. Bon, après, vous me direz que techniquement... Hop. La maison est déjà jolie, mais enfin, quand même. Je vais voir comment ça rendrait. Bah, après, c'est juste mon point de vue. Hein. Trop chaud, parfois j'ai des big décalages et quelquefois pas. Bah, si tu es sur téléphone, ça s'explique. C'est entre guillemets logique, si je puis dire. Hop. Et d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, comme là ça va être les vacances et tout, je pense qu'on va les mercredis, les scripts du mercredi, je vais pas faire de Sims, je ferai autre chose. Je sais pas encore quoi, mais je pense que les scripts du mercredi, comme je vous avais dit, je voulais un petit peu changer certaines choses. Et ben, je pense qu'on va faire ça. Je pense que les scripts du mercredi, on fera un autre jeu. À voir lequel, pour l'instant, j'ai pas encore d'idée. Je reviens un peu plus tard si vous souhaitez. Je vous souhaiterai une bonne soirée. Bah écoute, merci à toi, Sarah. Passe une bonne soirée et bon leur cage à toi. Tu vois Assassin's Creed? Pas du tout. J'ai même pas les jeux dans ma bibliothèque, je crois. Et merci, TKT. Merci à toi pour le follow. Merci beaucoup. Alors, bon, on a eu une petite attaque de bots, donc du coup, techniquement, on n'est pas à autant de followers. Techniquement. On en a moins. Movistar Planet. Comment ça, Movistar Planet?
Hop. Yes. J'ai un peu peur que ça en fasse trop. Et coucou, coucou à ceux qui sont sur le live TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On est actuellement en live dessus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Comment tu sais que c'est des bots? Oh, parce que j'ai eu 70 followers en moins d'une minute. Tout simplement. Et que, bah, comme j'en ai déjà eu, je sais comment ils fonctionnent. Hop. Totalement consciente, elles ne sont pas sympathisées. Bon, c'est surtout que... j'ai envie de dire passer votre chemin parce que moi je m'en fiche quoi. Et tu peux supprimer? Oui, on peut les supprimer. Pour les non présents sur Discord, je proposais pour le moment qui sont Life is Strange, Phasmo, Minecraft, Resident Evil, Little Hope 60 secondes, KH, GeoGuessr et Stray. Parce que. Attends. Ça regarde que toi si tu veux avoir un enfant en plus ou non. J'ai dû rater des messages. Deux aussi. Je l'ai jamais. J'ai pas tout compris. J'ai dû rater plein de messages, excusez-moi. C'est contre un collègue car il m'a dit jamais 203 par rapport à mes enfants. Je lui ai expliqué que j'étais bien avec deux merveilleuses filles et qu'un troisième ça arriverait peut-être, mais pas pour l'instant, tu en penses quoi? Ah pardon, je n'ai pas. Excuse-moi, Apolomi, j'ai pas vu ton message. Bah tu fais ce que tu veux, enfin genre. Ton collègue déjà, à quel moment ça le regarde? Mais non, tu fais ce que tu veux. Enfin, fais ce que tu veux. Déjà toi, fais ce que tu veux. Et puis décider d'avoir un autre enfant, voilà, c'est. Quand on est en couple, faut en parler à deux. Il faut que les deux soient d'accord. Si l'un des deux n'est pas d'accord, bah voilà. Forcément, ça va être compliqué. Ces gens-là, faut les remettre à leur place assez sèchement. Pas avoir peur de les brusquer. Loin de là. C'est vrai que ça... Je pense que ça va être trop moche, ça. Bon, j'enlève la véranda. On est quand même... On a... Ouais, j'ai quand même fait une grande maison, hein, mine de rien. Cela, on a l'entrée... On a l'entrée ici, je pense que l'entrée qui d'ailleurs sera... Ouais, c'est un peu très grand quand même. Bah, je pense tout bêtement que... Hop. Cuisine, salle à manger. Ici, ça va être le... on arrive directement sur le salon, ça va être un peu bizarre. Je fais pas ce genre de maison d'habitude. Hop. Et coucou Shellsack, comment tu vas? Trop bien, merci beaucoup. En plus, c'est ce que j'ai dit à Alexia, il y en a deux, il y en a deux aussi. Et je n'ai jamais rien dit. Mais non, mais c'est ça. Mais ça, c'est le genre de remarque que les collègues peuvent faire alors que tu as une directrice. Est-ce que ça te regarde, mon chat? Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Est-ce que ça rendrait pas bien si ici, je mettais un escalier? Escalier genre comme ça. En vrai, pourquoi pas? Là, on mettrait le salon avec la cheminée. D'ailleurs, on va déjà mettre la cheminée comme ça, au moins, elle sera placée. Là, petite cheminée. Parfait.
Parfait, parfait. Ici, on met le... Comment ça s'appelle ? Une petite... J'ai perdu le nom. Ah ! Mister C. Plateforme. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, que vous vouliez des enfants ou non, ça ne regarde que vous. Noxie, qu'est-ce que tu fais ? Oui, Noxie, t'es pas contente. Je sais pourquoi. Là, Noxie, elle est pas contente pour la simple et unique raison qu'elle, selon elle, n'a pas cette croquette dans sa gamelle. Mais maintenant, mon chat, tu es un petit peu au régime. C'est la gamelle qui décidera quand tu mangeras. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream, je me suis acheté une gamelle automatique. Ça a l'air d'être trop stylé. La bonne nouvelle du jour, quoi, le pire c'est que j'ai failli renverser la dernière tisane du bureau. J'étais en train de la voir et n'importe quoi, tu m'étonnes. Les gens sont dans le jugement en permanence, pas tous heureusement, mais si tu as que tu aies des enfants ou non sur le métier que tu fais, etc. C'est usant, surtout que ce sont tes choix de vie. Mais exactement, et ta vie. Les autres n'ont rien à dire, mais exactement, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. C'est pas mal. Attendez, je vais juste mettre un... Je dis à chaque fois que j'ai attendez, mais putain, vous ne faites que ça. Vous regardez mes streams, vous attendez. Hop, hop, hop. Je sais pas où je l'ai mis, je vais le mettre dans le mur. Ça fait... Voilà. Au niveau de l'éclairage... Ah oui, on est là. Oh, mais c'est bien trop grand. J'ai fait une maison qui est trois fois trop grande. Hein. On est sur une location, elle va me coûter les yeux de la tête, cette maison. Toujours qu'il fait dans les films quand dans un manoir on voit descendre les gens par l'escalier à côté de la porte d'entrée, ça fait trop bien. Ah ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Là, d'ailleurs attendez, ça fait longtemps que j'ai pas été regarder. Je vais aller regarder avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Alors je pense qu'il y a moyen de faire deux chambres. Ah oui mais non. Ah 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 ah. Ah merde. Ah! Eh ben si je fais ça, ça fait une chambre méga biscornue. Quoique, non, ça va. Non, je peux mettre le lit ici. Très bien. Ici, ça fera une petite salle de bain. Bien. Et là, on va mettre une chambre. Et une autre ici. Ça fait des grandes chambres quand même. Ouf. Ouais. Plutôt comme ça. On va faire ça. Par contre, salle de bain. Oui, il faut une salle de bain, hein, Mister C. Et bah, limite plutôt faire ça. Ça fait un peu buscornu la pièce, mais écoutez, on est sur un manoir, donc enfin une petite maison de location, donc pourquoi pas. Salle de bain, petite chambre d'enfant, ici une autre chambre, là une chambre très biscornue avec sa petite salle de bain. Si tu as le temps, dans les jours à venir, tu pourrais faire le post sur les sujets. Ah oui, mince, oui. Bon, tu sais quoi, je le ferai quand je serai dans le train pour aller à Montpellier. Tu es bien d'accord. Et coucou Nirvana, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. On avance sur la maison où je galérais hier. On a changé pas mal de choses. Tout content. Voilà. Avec la porte sur le balcon, je verrais bien un bureau. Bah, en fait, je verrais bien un bureau aussi, ouais. Genre une bibliothèque. Ah, mais là, t'as parlé d'un thé et ou d'une tisane. Ah, j'ai trop envie de me faire un thé.
Monde magique. Ah oui, aussi, si tu as des choses... Ah, où ça finit l'Ima niveau HP. Oui, ça, c'est trop bien, ça. Tu peux me dire pour qu'on voit, pour te ramener ça en septembre. Oh, faut pas dire ça, Leps. Je vais vous faire acheter des choses, hein. Après la House of Minalima, j'achète rarement des choses là-bas parce que ça reste quand même un certain budget là chez Minalima. Alors si je fais ça, en fait la cuisine va être petite, mais le but c'est pas si grave que ça. Dans un monde parfait, on aurait exactement la même couleur de bois, mais ce monde parfait n'existe pas. Celui-là, celui qui s'y rapproche le plus. J'ai toujours... j'ai voulu vous partager cette info un peu nulle pour vous, mais je sais que vous avez toujours de bons conseils. Franchement, mais ça, c'est une communauté en or. C'est gentil, Poulumi. Bah, nous, ici, on essaye de... Comme je vous dis, moi, j'essaye de monter une communauté les plus saines, la moins toxique possible, pour que quand vous veniez ici, quand vous avez des petits soucis, des petits tracas dans votre vie, vous pouvez venir ici. Après, si vous voulez parler, etc., voilà, vous pouvez. Mais t'es tout simplement dans un endroit safe, tranquille, et qu'il n'y ait pas de soucis, quoi, tout simplement. Alors, à mon avis, le conduit de cheminée, on va le déplacer. On va le décentrer parce que le conduit de cheminée, il irait mieux là-bas. Les colonnes, ouais, bah à mon avis, la location, elle va coûter très cher. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est réellement grave si la location coûte cher? Je ne pense pas. On n'est plus à ça près. De toute façon, comme j'ai dit, c'est tellement simple de se faire de l'argent dans les Sims que il n'y a pas à mort d'homme. Hop, toi, on va te casser toi aussi. Parfait. On verra pour ajouter les fenêtres après. Subjugué. En plus, je crois que la communauté aime choisir nos menus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est un concept. On choisit. La communauté choisit les menus. Non pas du streamer, parce que j'ai déjà vu dans d'autres streams les viewers qui choisissaient le menu du streamer. Mais là, c'est on choisit le menu des viewers. Ça, c'est pas mal. Et ici, je pourrais peut-être remettre une porte comme ça. Yes. Et là, avec un petit escalier. Un petit perron et un petit escalier. Ah ouais, ça peut être trop bien. Petit escalier. Hop. Et là, avec un petit toit. D'ailleurs, est-ce que là, ça rendrait pas bien, genre un petit toit triangulaire? La réponse est, je crois que oui. Avec ici, en marron. Toi, Oh, j'aime bien. Voilà, tu as trouvé. Attends. Je crois que les communautés. Ça, c'est bon, j'ai lu. Je passe en l'orque un peu, histoire de faire la vaisselle, la douche et tout le bazar avant dodo. Surtout que je me lève tôt demain. Mais pas de soucis, Thanaïs. Bon leurcage à toi et passe une bonne soirée. Repose-toi bien. Et puis, bah, à la prochaine. Donc, demain. Demain qui sera le dernier stream de la semaine. Mais repose-toi bien. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Il y a juste ici où c'est très moche. Est-ce que jeu de base, il n'y aurait pas une fenêtre qui pourrait bien rendre? Il y aurait une fenêtre qui sorte un petit peu du lot. Alors, je ne vais pas mettre ça, mais... Il y a celle-ci, mais... Franchement, ces fenêtres rondes sont trop moches. Ça, c'est peut-être un peu bizarre. Mais ça.
Ça n'a pas été déconnant à certains endroits, mais pas ici. Et bah, ça va être compliqué, mais celle-là, je n'ai pas d'idée. Ah, où sont-je, mais celle-là. Genre en mode comme ça. Ça peut être pas mal, mais là, ici, il faut qu'on trouve une solution. Parce que Noxy, qu'est-ce qui t'arrive? Pas alors, mon chat. Ah, si, je sais. J'ai acheté ça. J'ai acheté une espèce de poêle pour débrosser. Pour enlever les poils morts des chats. Merci, bienvenue pour les 100 bits. Merci à toi. Merci beaucoup. Ah, attendez, parce que Noxy demande est-ce qu'on la brosse. Est-ce que tu crois que c'est le temps de brosser que je te brosse, Noxy? Je suis en plein stream. Je vous jure, ce chat. Attends. Pour ça, vous allez voir l'efficacité de cette brosse. Ouh là là, il y a un nœud là. Ouh, il y a un nœud, mon chat. Voilà, j'ai brossé quelques secondes. Hein. Voilà. Voilà tout ce que je viens d'enlever. Cette brosse est magique. Moi, ça me gêne pas quand vous choisissez le menu de temps en temps. Le temps que vous ne faites pas gagner Gabriel. Ah, ok, d'accord. Les gens, il y a une heure. Non, foutais, je tente jamais de faire peur. Les gens, une heure après. Mais le son x2. Bah, c'est ça. Légion, je crois que tu as été démasqué. Voilà. Alors, on va mettre les petits rebords. On a mis ceux-là. Non, pas ceux-là. On a mis eux, je crois. Yes. Voilà. Ah! Doucement le jeu. Bah là, en fait, j'ai envie de te dire qu'ici il va y avoir un escalier. Un triple. Voilà. Perfect. Peut-être mettre ça en biais. Ah, si ça veut bien. Ça peut être cool. Je passe la main à Sinoc, changement de corps. Sinoc est pas là ce soir. Bah, Sinoc, elle est sûrement en train de modérer le stream chez NS, donc c'est pour ça. Hop. Oh, stream, j'ai dit streamer. Non, modérer, pardon. Bon, pour l'instant, l'arrière est très moche, mais c'est le début, hein, vous le savez. À chaque fois, c'est un peu étrange ce que je fais. Puis d'un coup, hop, illumination, beauté illuminée. Peut-être elle joue aussi offensive, c'est très très... Ben, laisse-la se reposer. Voyons. La pauvre. Jeu de base. Ici, on a dit monde magique. Yes. Pas de repos pour les modos. Bah oui. Carrément. Bien sûr que si. Un peu de repos, les pauvres modos. Et coucou Miguel, comment ça va? Ça fait un an que je follow la chaîne. Ah ouais? Ah mais oui! Oh, pile un an! Pile un an que tu follow la chaîne. Hop, écoute, petits applaudissements. Hop. Merci. Et coucou Tina, comment vas-tu?
Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ah, Inoxy, qu'est-ce que t'as? Attends, je n'allais pas t'écraser. En fait, tout à l'heure, je vais pas écraser ta papa. Attention. Ah. Ah. Vous allez l'avoir juste ici. Ça va mieux, mon chat? Bah oui, hein, tu câlins, ouais. Bah, elle a compris que j'allais partir sûrement ce week-end, puisqu'en fait, bah, j'ai commencé à faire mon sac. Et elle était pas très contente à cette idée. Par contre, tes griffes. Ah, Noxy. Merci. Oui, tes griffes, Noxy. Voilà, elle a planté ses griffes. Bon, je sais quasiment sur toutes les lives, mais je ne parle pas beaucoup. Mais c'est pas grave, Abigail, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Hein, je comprends que vous ne soyez pas forcément tout le temps là. Totalement compréhensible. Hop là. Hop. Ça c'est pas mal. Alexia, mais si. Je voulais dire un truc et je sais plus c'est quoi. Eh ben je ne sais plus. Bien, ça me reviendra. Ou peut-être pas, si vous me connaissez. Alors si, je sais plus si vous l'avez déjà demandé, mais au pire je vous le redemande, parce que je sais qu'il y a souvent différentes personnes à différents moments sur le stream. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces vacances? Est-ce que vous allez partir un petit peu ou pas du tout? Vous allez économiser? Et coucou Ambre, comment vas-tu? Comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, non? Il me semble. J'espère que tu vas bien. Est-ce que ce serait possible d'avoir la rêve de ton casque STP? J'en cherche un. Peut-être que le tien est bien. Oui, alors attends, j'ai un... Alors attends, je vais le marquer parce que c'est un peu compliqué. C'est un Beyer Dynamic. Un Beyer Dynamic. En fait, je crois que j'ai le même que l'Okinawa, si je dis pas de bêtises. Dynamic. Ça veut bien. Dynamic. Voilà. Et j'ai le... DT. Je vais le marquer dans mon... Faut que je le marque sur mon panel de stream. Voici la référence de mon casque. Et il est très très bon. C'est un casque de studio en fait. Alors juste, faut faire attention parce que c'est juste un casque. Il n'y a pas de micro dedans. Bah, faut juste le savoir. Ah non, je veux pas celui-là, moi je suis du débogage. Ça fait longtemps, je suis en vacances, je pourrais... là, je suis en vacances, je pourrais être là le plus souvent. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci, Ambre, y a pas de souci, c'est pas du tout un reproche. Loin de là, loin de moi l'idée de vous reprocher de ne pas pouvoir venir sur mes streams. Hein. Loin de là. Non, non, non. J'arrive pas à trouver ce maudit buisson. Il est peut-être dans l'onglet buisson en même temps. On n'a pas mis celui-là. Celui-là, on va peut-être le décaler. Pourquoi pas le mettre là? Ah, de rien. Après, si je peux, voilà. Je sais qu'il y a certaines choses que j'ai achetées pour mes streams que je peux vous conseiller. D'autres, peut-être un peu moins. Mais si ça peut vous aider, vous, c'est avec plaisir. Voilà. Bon, alors le buisson que je cherche, je le trouve pas. Pour l'instant. Je l'ai pris comme un reproche, t'inquiète. Je l'ai pas pris comme un reproche. Tant mieux. Voilà. Hop.
Ça, c'est plutôt cool. Putain, si je mets ça là, ça va être un petit peu étrange, je pense. En fait, c'est ce buisson-là que je cherche dans le débo. Il est là. C'est juste que je suis un peu. Alors, besoin, besoin d'aller chez l'ophtalmo, moi, je pense. Hein. D'ailleurs, quand je vous disais, bah, tout à l'heure, j'ai eu le... J'ai enfin reçu le QR code pour aller à la TwitchCon. Il manquait juste ça pour pouvoir récupérer mon badge et tout. Donc j'ai trop trop hâte. J'essaierai de vous faire plein de stories Insta pour le coup. Alors je sais que je vous le dis à chaque fois quand je suis à Disney. Mais bon, quand je suis à Disney, je suis dans les attractions, donc c'est compliqué. Mais là, pour le coup, comme c'est vraiment une convention et tout, ça peut être très très cool. Donc je vais vous faire plein de stories quand, si c'est intéressant à montrer, bien entendu. Et puis voilà, puis surtout vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, parce que je vais, enfin ce que j'aurais acheté, parce que je me connais, hein. Je vais acheter tellement de trucs là-bas. En plus, ils m'ont dit qu'il y aurait du contenu exclusif pour les partenaires, donc je sens que je vais craquer. À chaque fois que je regarde tes streams, un de mes enfants, et que mes enfants m'entendent, ils me disent, c'est le monsieur qui fait toujours, ça c'est vrai que quand on stream on a tendance à avoir des petits tics de langage et voilà, ça arrive. Après faudra dire à tes enfants que c'est compliqué de parler pendant plusieurs heures d'affilée. Après je le prends pas comme un reproche, mais ça me fait rire, ça me fait rire, parce que oui, quand on est streamer on a souvent des tics de langage qui reviennent. C'est vrai que j'ai le un peu facile. Hop. Jamais fait attention, je sais ce qu'il me dit. Ah oui, non, mais ça, oui. À partir du moment où tu le dis une fois, c'est foutu parce que du coup, tout le monde l'entend. Et coucou Sarah. Coucou Sarah, pardon, excuse-moi. Passe une bonne soirée, Sarah. Repose-toi bien. Et merci à toi pour d'avoir été là ce soir. À demain, si jamais tu souhaites nous revoir demain. On va mettre des cailloux. On va mettre des petits cailloux. Si je veux bien. Ah mais si, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Parce que moi, vous savez, je vous avais dit que j'avais commencé à regarder la série... comment ça s'appelle, Miss Marvel. Et alors, je sais pas si vous avez vu l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on spoile pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il était nul. Genre, je me suis jamais autant emmerdé devant un épisode. Attendez, je vais regarder là-dessus. Ah oui, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont trouvé nul. Genre, il y avait des trucs bien, puis le trois quarts des trucs c'était vrai. Enfin, le début était bien, la fin était bien, le milieu était chiant. Voilà. Donc ça c'est pas mal. On commence à être pas mal au niveau du jardin. On va peut-être le clôturer d'ailleurs. On l'a clôturé comment là-bas? On l'a mis... Ah oui, on a mis ces petits murets là. On a fait la même là. Et ben on va mettre les petits murets aussi. Hop, allez, go. Je viens de voir un post des Sims qui dit qu'il y aura plein de clubs dans les prochains packs. Et qu'on peut en prendre plusieurs. Oh là là, la récupération de vivre ensemble. Ouh, je sens que ça va pas... Ça va chier du... Ça va pas être contre. Ouh là là. Voyons voir. Oh Alexis, est-ce que tu es encore là sur le stream? Il y aura échec, cheerleader, football, informatique. Oh bah ça, je me doutais qu'il allait avoir, des clubs comme ça. Oui. Est-ce que Alexis, est-ce que tu veux te sentir très vieille là maintenant tout de suite? Même si je suis plus vieux que toi, mais tu te souviens de la série H2O quand on regardait quand on était petit en Espagne? Et bah, la série a aujourd'hui 16 ans. Voilà. C'était gratuit. Bah voilà. La série a 16 ans. Donc là, il s'est fait un petit peu mal. Hein. Je vois pas le poste des Sims. C'est les Sims FR ou les Sims anglais? Bordel. Mmh.
Anglais sur Instagram. Ah ok, bah là je vois pas sur... moi je regarde sur Twitter. Bon, je verrai quand ils passeront sur Twitter. Ok. C'est quoi ces deux petites notifs? Ok. Alors, on va faire comme on a dit déjà dans un premier temps le petit rebord pour la maison. Donc ça va être dans des bogages. Pas édité en direct, par exemple. Et le petit muret, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est ? Là. C'est celui-ci. Voilà. Alors le mieux, je pense qu'on y aille avec la pipette, ça sera plus simple. Et alors ce soir, on fera pas de TikTok, on en a déjà deux de près, donc ça le fera. On en fera peut-être un demain par contre, mais là ce soir pas besoin. Ça c'est un petit peu trop, voilà. Donc ça va aller ici. Parfait. Et coucou Chihuahua, comment vas-tu? Comment ça va? Hop là, on tombe pile dessus, c'est parfait. C'est parfait peut-être. Ouais, si, c'est pas choquant. C'est pas choquant. On va rajouter des arbres. On va rajouter des petits arbres. Comment s'est passée ta journée, Chihuahua? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Ça va? Bah écoute, ça va. J'ai passé une bonne journée au boulot. Petite journée tranquille. Et demain, moi, je serai en week-end, puisque bah, je ne travaillerai pas vendredi. Puisque, bah, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de stream vendredi, puisque je serai dans mon train, direction Montpellier. On se retrouvera, du coup, en stream dimanche soir. Non, alors peut-être que dimanche soir, il y aura un possible retard du stream. Si la SNCF me la met à l'envers. Si la SNCF est gentille, en principe, il n'y aura pas de problème. Ça peut être sympa ça. Ici on peut mettre ça comme ça. Ça, est-ce que ça aurait l'intérêt de le mettre? Non. Et Reluna, comment ça va depuis tout à l'heure? Est-ce que tu as bien mangé? Tiens, ça c'est cassé. On va changer la couleur du sol aussi avant que j'oublie. Ouais. Faudra mettre la boîte aux lettres, tout ça. Parfait. On va rajouter un petit peu de terre. Ça super. Et toi, tu avances bien parce que je vois le poulet était délicieux. Oh bah, bah écoute, ouais, on a bien avancé. Finalement, j'ai changé un peu presque toute la façade de la maison. Changé pas mal de choses, mais je trouve qu'elle est bien mieux comme ça. Attendez, il y a un truc que j'ai pas fait parce que ça fait longtemps que j'ai pas été regardé. Et
Coucou Jérémy, coucou à toi, je me suis abonné à toi, bah, merci beaucoup, merci. Merci à ceux qui sont sur live TikTok d'ailleurs, et merci pour les j'aime. N'hésitez pas à ceux qui sont sur live TikTok à nous rejoindre sur Twitch, on est actuellement en live dessus. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch d'ailleurs, là on est actuellement en train de streamer, on est sur la rénovation des mondes. Et je suis avec des personnes en train de discuter. Si ça je vais regarder, si, est-ce que... bon je pense pas qu'ils aient encore répondu mais c'est pour jamais. Je vais regarder le Game Changer. Et merci, Vlad, merci à toi, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a du changement comparé à tout à l'heure. Et merci, Madrina, merci à toi pour le follow, merci beaucoup. Merci. C'est à moi d'aller bon, j'ai des bisous, pas de soucis, hein. Bref, bah, écoute, bon appétit à toi. Cyanoxy. Ah bah oui, tu bailles. Bah oui, je sais que t'as plus de croquettes, mais faut que tu attendes 22 heures pour en réavoir. Ce chat ne va pas supporter la gamelle automatique, je pense. Et coucou, Madrina. Bonsoir, avec plaisir. Je suis depuis un moment sur TikTok et j'adore ce que tu fais. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Content que ça plaise sur TikTok. Je vois qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui viennent sur la chaîne Twitch grâce à TikTok, donc vraiment merci beaucoup. Ça fait super plaisir de voir des nouvelles têtes. Là du coup nous on est sur la rénovation des mondes. C'est vrai que j'en parle pas spécialement de ma rénovation des mondes sur TikTok, mais en fait je rénove tous les mondes des Sims qu'avec le jeu de base plus le pack d'extension de la ville. Donc là pour l'instant je suis en train de faire ce manoir. Alors on l'a pas terminé, mais on vient de le commencer. Je vois que tu as SIK, bravo. Alors Luna, en réalité j'ai pas les SIK, j'ai subi une petite attaque de bot en début de stream, ce qui fait que bah du coup on a l'impression que j'ai SIK, mais en fait non, j'en ai pas. Normalement je suis à 5991. Comme j'ai eu une petite attaque, bah du coup, bah ça va peut-être pas tout casser au niveau des statistiques. J'avais eu vent comme quoi c'était revenu sur les streams. Hop. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je suis habitué, si je puis dire. Merci à toi, grâce à toi, j'ai appris plein de choses et je ne connaissais pas sur les Sims, du coup je m'éclate à niveau construction. Ah bah j'aime bien vous donner des petites astuces comme ça, et encore, là aujourd'hui j'en ai plus trop en tête, mais je sais qu'il y en existe plein d'autres, c'est juste que comme je ne suis pas confronté là, à l'instant T au bug ou au truc, bah du coup j'ai pas l'idée. Mais dès que j'ai les petites idées, hop, je fais le TikTok. D'ailleurs, le TikTok de demain, ce sera... Ben, c'est pas celui-là, d'ailleurs. Le TikTok de demain, ce sera comment réduire les appartements en superficie. Comment donner l'illusion que l'immeuble est plus petit. C'est quoi une attaque de bot? C'est quand des gens... Alors, tenez-vous bien. Des gens payent pour qu'en fait, des faux comptes s'abonnent à votre chaîne. Voilà. Pour que que ça spamme les notifications. Sauf que bah moi c'est arrivé, j'ai mute les alertes. C'est uniquement pour ça. Ah, est-ce que ça rendrait pas bien si je mettais ça? Ah, pourquoi pas. Sur le profil de ta chaîne, c'est carrément, ça met carrément que t'es à 6,1k. Bah oui, parce que du coup, on est 6065. Oui, parce que j'ai eu 70 followers, je crois, d'un coup. Mais ça supprimera automatiquement, parce que si vous regardez bien, Wisebot, quand j'ai eu le follower tout à l'heure, là, de Madrina, ça a bien dit que j'ai eu 6 follow, et pas 76. Donc en fait, je pense qu'ils ont, en fait, je vais attendre quelques jours, ils vont supprimer automatiquement. Je suis pas centré. Là. Stop. Ça c'est bon. J'ai lu et j'ai tout lu.
En mode vie, j'ai un souci, c'est chiant, mais je sais que je suis pas la seule. J'ai des Sims qui viennent chez moi et font leur vie comme s'ils étaient chez eux. Pas sûr qu'en temps réel, j'apprécierais. Oui. Alors, ce que tu peux faire, c'est bloquer la porte. Tu cliques sur la porte et tu fais verrouiller. Enfin, tu fais autoriser juste pour les membres de la famille. Comme ça, il n'y a plus personne qui pourra rentrer chez toi sans ton consentement. C'est un peu bizarre ce que je fais, mais pourquoi pas. Alors là, c'est très moche. Je sais pas pourquoi ça saute à chaque fois. Voilà. Ici, on va mettre du lierre, je pense. Ou même un grand arbre, en vrai. Ça peut être cool. Et après, ouais, on va mettre les petites plantes. Qui sont... Où êtes-vous ? Là. Et très joli, donc merci beaucoup. Elle est loin d'être terminée. Mais merci beaucoup. Elle sera disponible dans la galerie. Elle est uniquement pour la. Elle sera que jeu de base plus le pack d'extension Monde Magique. Ah, ça y est, je viens de voir que les Sims FR ont mis le post sur Twitter. Ah, bah, attends, je vais regarder ça. Voyons voir. Ah oui, ouais. Ah non. Là. J'ai pas tout. Ah, attendez. C'est là que je vois qu'il y a eu un autre truc. C'est les Sims quoi Excuse-moi. The Sims, ça les a pas mis. Les Sims. Il y a 12 minutes. Ah oui, là. Les activités extrascolaires, préférez-vous rejoindre le club du cheerleading, du football américain, d'échecs ou d'informatique? Montrez votre talent. Bah ouais, bah j'ai un petit peu peur que ce soit. Ouais, bah. En vrai, c'est cool pour les clubs comme ça, mais je pense qu'ils vont récupérer exactement ce qu'ils faisaient vivre ensemble. Et ça, par contre, je suis pas d'accord s'ils ont fait ça. D'ailleurs, j'arrête de te dire, c'est gentil. Je vais vous laisser à demain soir avec plaisir. Pas de soucis, Louise. Bah écoute, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Et puis à demain avec grand plaisir. Et merci, Julia. Merci à toi, Pompon. Merci beaucoup. Ça a fait super plaisir. Merci, merci, merci. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à discuter avec nous dans le chat. Et alors, il y a peut-être moyen que ces deux fenêtres-là, elles sautent. Quoique... Ouais, non, elles sont là aussi. Là, je sais pas quoi mettre. Est-ce que finalement, je mettrais pas la grande fenêtre qui vient avec Monde Magique? Ça ferait peut-être un peu chelou. C'est peut-être que ce sera des activités extrascolaires actives. Comment ça, actives? Je crois que t'as raison. Ouais, ça va être le même principe. Bah, j'ai un peu peur, ouais. C'est comme le théâtre ou les scouts, peut-être. Bah, quoi qu'il arrive, j'ai un peu peur que du coup, bah, ce soit... Enfin, on l'ait déjà, en fait. Que ce soit un copier-coller de choses qu'on a déjà dans le jeu. En vrai, si c'est ça, alors j'espère pas, hein, mais si c'est ça, ce sera vraiment du toupet, parce que ça fait quand même... Ça va faire un an qu'on attend un pack d'extension. Et si en un an... de développement pour le pack d'extension, on nous sort un copier-coller d'un truc qu'on avait déjà avant, du moins en termes de gameplay, les gars, arrêtez de nous prendre pour des jambons, quoi. Faut voir, hein, attention, là, je extrapole, hein, ça sera pas du tout comme ça, mais... En tout cas, j'espère que ça sera pas comme ça. On accompagne aussi... Ok, d'accord. On verra. Alors ici, je pense qu'il rendrait bien, c'est qu'on rajoute déjà un poteau. Voilà. Un ici au milieu. Eh ben, il est au milieu, on peut pas.
Alors, dis-moi. Mince. Bouge-toi. Si je fais ça, ça passe. Parfait. Hé hey. Parfait, parfait, parfait. Là, il faudrait qu'on rajoute des plantes. Mais je sais pas encore quoi. Jeu de base. On est à combien de sous, là? On est à 35 000 sims. On a pas. On a toujours pas fait de l'intérieur de la maison. Monde magique. Bon, la maison est jolie. On peut au moins se dire ça. Et elle va l'être encore plus quand je vais mettre les petites décos que j'ai en tête. Avec ça. D'où te viennent tes inspirations pour les maisons? Eh ben, ça dépend, soit de maisons que je vais trouver sur internet, des dessins, de trucs de films, séries, ça dépend. Des fois, c'est juste dans ma tête. Puis des fois, je vais trouver une image, enfin une idée, enfin une forme de maison sympa. Je dis, ah, mais ça serait bien que j'essaye de... Enfin, je m'en inspire, je fais pas un copier-coller, je m'en inspire. Des fois ça rend bien, des fois ça rend pas bien. Ah, c'est pas mal. Hein. J'aime bien le concept du pack aller avec nos Sims au lycée, mais j'aurais préféré avec l'université. Bah ouais. Je pense que beaucoup se voient comme toi. Du coup, ouais, je pense ouais. J'aurais préféré qu'à la fac, on suive les étudiants et qu'au lycée, bon, on les suive pas. Mais bon, que voulez-vous? Les Sims font les choses un peu à l'envers. Alors peut-être, alors je dis ça, mais on n'aura pas. Hein. Peut-être qu'on aura une mise à jour du pack à la fac et qu'on pourra suivre les étudiants, mais j'y crois pas. Ça aurait été bien aussi avec tous les niveaux. Oui. Bah ouais, mais enfin bon, s'ils nous sortent après un pack à l'école primaire, puis un autre pack à la maternelle. Les gars, arrêtez de nous prendre pour des jambons quand même. Hein. Ça, là, d'un moment, ça a fait un peu beaucoup. Ça fait trop carré ici. On va rajouter des grands sapins. Sapin, à chaque année. Sapinou, petit sapinou. Non. Monde magique là. Ah! Pourquoi pas? Ça pourrait peut-être un peu cacher le fait que ce soit trop... un peu trop plein. Ouais, j'aime bien. Personnellement, je n'ai pas tous les packs, mais j'avoue que le prochain me tente bien. Bah, j'avoue, le prochain pack a l'air cool. Moi, j'aime bien la ville. Je suis pas fan de ce qu'on a vu pour l'instant. Le seul truc que j'aime bien dans la nouvelle ville, c'est le côté fête foraine. Le côté fête foraine m'intrigue beaucoup. Et ça, j'ai même plutôt hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais sinon, après, la ville en elle-même, j'ai un peu peur que ce soit un copier-coller de ce qu'on a déjà eu. Ah oui, non, mais en même temps, mais ça, si je vais là-dedans, ça va pas marcher. Jeu de base. Ah. C'est quoi ça déjà? C'est payant ça? Non, ça fait 0, c'est une pause. C'est les dalles de carrelage. Pas de carrelage de. Ah, de trottoir. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. J'aime juste pas ici. Je trouve ça moche, là. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre ça en brique? Genre, vraiment, juste cette partie-là, quoi. Bah, en vrai... Ah, je trouve que ça donne du charme.
Ah, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Le seul truc, c'est là, là. C'est ce truc-là que j'aime pas. Si je casse ça, ça va quoi. Non. Si je mets une fenêtre dedans. Ouf, ça va être moche. J'ai l'impression qu'il manque un peu d'inspiration. Les Sims, je pense aussi. Bah, c'est pas qu'il manque d'inspi. C'est qu'à mon avis, ils sont en train d'étirer le jeu comme pas possible parce que bah, les Sims 5 vont pas tarder non plus à arriver. Et que bah, je pense qu'ils sont juste en train d'étirer le contenu des Sims 4 pour attendre que les Sims 5 se terminent le développement. On peut leur en donner s'ils en manquent. Ah bah oui, non, mais c'est ça. Bah, surtout que la communauté Sims, elle est pas à court d'idées en termes de pack, de gameplay. Il faut voir tous les mods qui sortent sur les Sims. Hein. Je crois que là, littéralement, le concept de année lycée, c'est littéralement le mode lycée qui est là depuis, je crois, des années et des années. Qu'est-ce qu'il y a, Noxy? Mais je sais que tu... Mais oui, Noxy, j'ai compris ce que tu veux. Bah oui, mon bébé. Je trouve qu'il y a trop de plantes suspendues. Trop de plantes suspendues, mais je vais en remettre. La logique du streamer que vous voulez. Pourquoi pas? Moi j'ai cliqué plein de fois pour voir s'il y avait un changement, mais même pas. Mais justement, ils n'ont pas embauché de modeur qui a codé ce mode. Je crois que j'ai entendu ça quelque part. Ah, je sais pas du tout. Je peux pas te dire. Parce que pour le coup, je ne sais pas. Peut-être. Ah, si, sur Twitter, je suis en train de voir un truc. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont annoncé une nouvelle Switch. Enfin, la nouvelle Switch Collector Splatoon. Alors, je suis pas fan du jeu Splatoon. Mais alors, les Joy-Con de la Switch de Splatoon, ils sont incroyables. Je sais pas si vous les avez vus. Attendez, je vais vous les montrer. Faut juste que je les retrouve. Là. Et coucou patate douce, comment tu vas? Vous pensez qu'on aura les fées, les chevaux avant les Sims 5? Je pense, ouais. Je pense que les chevaux, c'est le prochain pack de jeu qui sort, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que le prochain pack de jeu, c'est les chevaux. Je vais vous montrer. Hop, regardez. Ils sont incroyables, les nouveaux Joy-Con. Je les trouve trop jolis. Je serais capable de me les acheter. Bien que ma Switch, je ne l'ai pas rallumée depuis 2 mois. Mais je serais capable de me les acheter. Ils sont trop jolis. Ça serait bien car ça manque. Bah, alors après, moi, je sais que moi, les chevaux, ça m'intéresse pas. Puis les fées non plus. Mais je comprends que des gens le souhaitent. Je comprends totalement. Oh, ça paraît, t'as vu? C'était cool, hein. Jeu de base ici, on va se mettre en monde magique. Elle est où la pergola déjà? Elle est là-dedans, je crois. Non, elle est là. Ah, ça coûte quand même 1000 balles ce truc. Ça m'emmerde un peu. Il va falloir qu'on fasse l'arrière parce que ça va pas du tout pour l'instant. L'avant encore, ça passe. D'ailleurs, on va tout de suite mettre, avant que j'oublie, la boîte aux lettres et la poubelle. Ce sera fait. La boîte aux lettres ici. La petite poubelle également qu'on va mettre sur le teco là-bas. Voilà.
Allez, je vous laisse. Merci encore pour toutes tes astuces et tes conseils. Je me lève à 3h30. Ouh là là, oui, en effet. Il est temps pour moi d'aller dormir, sinon ça va picoter. Il n'y a pas de souci, Madrina. Bah écoute, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Merci encore pour ton follow. Et si jamais ça t'intéresse, demain on stream à la même heure, donc à partir de 19h30. Voilà. Si je fais ça, ça fait double sapin, c'est un peu moche. Par contre, je peux peut-être remettre... c'est quoi ce petit arbre blanc là-bas? C'est celui-là? Non. C'est celui-là. Ça marche, je ne manquerai pas de venir faire un petit coup. C'est très gentil à toi. Bah écoute, passe une bonne soirée, repose-toi bien. C'est juste que je me dis que pour les chevaux, il faut une grande map, genre Enford en Bagley. Et que pour les fées, il faut une forêt, genre Glimmerbrook, Granite Falls et Moonwood Mill. Du coup, ce serait pas trop original comme monde. Je suis très déçu de ce qu'on a vu au niveau du monde des années lycées. Mais pareil, même si la fête foraine a l'air trop bien, et que ce serait ce que j'attends le plus comme Mr. C. Mais je suis d'accord avec toi, Patate Douce, parce que, pareil, en fait, la ville... En fait, moi, j'adore les villes un peu, genre, dans la forêt et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'on a énormément de villes dans les forêts. J'allais dire, il y a aussi d'autres types de villes. Et il est vrai que si on a un jour le pack fée, ça sera aussi dans une forêt. Parce que ce ne serait pas logique de le faire ailleurs. Parce que si on nous fait l'effet du désert, ça va être un peu chelou. Mais j'avoue que ouais, c'est un peu bizarre. Et coucou Aria, comment tu vas? Comment vas-tu? Ah, je vais mettre les petites plantes ici. Hop. Ça commence à bien rendre ce soir. Je trouve que ça commence à être sympa. Bon, il y a juste là où c'est un peu étrange. Mais... je m'attendais aussi à un monde en ville et pas paumé dans une forêt pour le pack. Bah, c'est pareil. Et là, bah, ils ont fait ça. J'ai pas trop compris, mais bon. Après, à voir, hein. On verra bien. Là, ils avaient montré... je crois que c'était Sims Guru. Attendez, c'est quel Sims Guru qui avait montré ça? C'est Sims Guru... Parce que je les follow pas tous. C'était Sims Guru Ninja, je crois qu'il y avait... attendez, Sims Guru Ninja, est-ce que c'est lui qui l'avait fait? Je crois pas. Ou alors c'était Frost. Sims Guru... Popcorn. Ah, peut-être pas Frost. Si. Je ne sais plus. J'aimerais bien que les Sims refassent la ville comme San Michuno. Bah, j'avoue, moi aussi, mais bon, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Hein. Et bah, non. En fait, ils nous avaient montré une map de la nouvelle ville. C'est peut-être Sims Go Popcorn, ou ça m'étonnerait. Voilà. Je vous laisse, je vais au lit, journée épuisante. Ah, demain, pas de soucis, Zanora. Bah écoute, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Et puis, bah, à la prochaine. Oh. Ah, au bout de, j'ai eu peur. Ça me disait que Sims Go Ninja n'avait jamais tweeté sur votre base. Ah, bah. Eh bah, écoutez, je sais pas, j'aurais voulu vous montrer, mais je ne trouve pas. Et eh ben tant pis, bah écoutez, quand je le retrouverai, je vous le montrerai en temps voulu, mais là j'ai pas trop. Et bonsoir Hannibal, comment tu vas? Comment vas-tu? Ah, attendez, quoi? J'ai pas tout compris. Je vois qu'il y a pas mal de trucs. Je sais pas, ça parle beaucoup de Marvel. Je sais pas ce qui se passe sur Twitter. Flemme, c'est le stream. Donc on va continuer les Sims. Oh, je sais ce qu'on a oublié. Parce que là, on les a pas mises. Bon, en même temps, ça aurait été compliqué de les mettre là. Mais ici, on avait mis des petites lampes comme ça. On va les mettre aussi. On va les mettre aussi, attendez. Et coucou, Johanna. Comment ça va? Comment vas-tu? Hop, d'ailleurs, ça se coupe autre droit. Voilà. Bien, toi, bah écoute, ça va.
Ça va, ça va. Je suis content parce que j'ai enfin reçu le QR code pour la TwitchCon. Donc ça y est, c'est officiel, je vais pouvoir y aller. Puisque ça y est, j'ai enfin reçu tous les papiers, tout ce qu'il fallait. Donc je suis trop content. Et puis surtout, je vais retrouver là-bas... Ah! Oh la honte. Attendez, Nota, je vais y arriver. Nota Blueta, je vais la retrouver là-bas. Mais du coup, ouais, ce serait bien qu'on se retrouve là-haut et tout, qu'on passe le week-end ensemble avec d'autres streamers français. Donc bah du coup, c'est cool. Du coup, on va se retrouver là-bas et tout. Et j'ai trop trop hâte. Trop hâte de découvrir cette convention, parce que je la connais pas du tout. Une réponse pour Game Changer, j'ai regardé tout à l'heure et toujours pas. Non, toujours pas de réponse pour Game Changer. Ils font par pays, de ce que j'ai compris. Et coucou Ririn. Comment vas-tu? Ça va, mais je suis anesthésié de la bouche avec mon bain de bouche. Là, ça fait des heures que je sens plus le goût des choses. Est-ce que t'as fait un bain de bouche ou parce que t'as le Covid? Parce que là, ça ressemble un petit peu aux symptômes du coco. Alors, on est là-dessus pour ceux qui arrivent. Pour l'instant, j'ai fait ça avec la maison. Je reste dubitatif. Il y a des petits trucs qui me chafouinent. Mais on verra bien. Ici, on va mettre des plantes suspendues, tiens. Tu connais Ghost Whisperer? Je viens de voir qu'il y a toutes les séries. Oui, elles ont été rajoutées aujourd'hui même sur Disney+. Et quand j'étais petit, même j'ai regardé Ghost Whisperer, j'ai regardé pas mal de fois. J'aime beaucoup Ghost Whisperer. C'était mon petit rendez-vous du dimanche soir. Je suis impressionné par tes extérieurs, c'est gentil, merci beaucoup. Moi, j'ai fait un test, j'ai pas le Covid. Après, j'ai le Covid long. Mais bon, c'est pas ça. C'est mon bain de bouche. Ah, mais... Tu sais, le bain de bouche, c'est que quelques secondes. Hein. Faut pas faire plusieurs minutes. Si tu fais plusieurs minutes, ça te brûle. Ça m'est déjà arrivé. Enfin, attention. Voilà. Si je mets un... Alors, ça va être un peu bizarre. Mais si je mets un arbre là-dedans... Non, c'est moche. Ouais, il fait un peu longtemps, j'en ai mis... Ah, mais c'est peut-être trop. Tu t'es cramé tout ton... toute ta bouche en faisant ça, peut-être. Bon, ça va revenir, hein. T'inquiète pas. Bon, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille chez le dentiste. Bon. Ça donne quoi, vu en pleine nuit? Ah, ça me gratte le nez. Ah, excusez-moi. D'accord, on va faire une petite pause sur l'extérieur et puis on va passer à l'intérieur. Mais du coup, j'ai faim. C'est bon, du coup, j'attends. Ah bah oui, bah, je fais un bas de douche avant d'aller manger. C'est paradoxal. Jeu de base. Hop là. Monde magique. Là, ça va être une location. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va... Hop, résidentiel, location. Non, je l'ai fait. Ah, ok. Ah oui. Et t'as toujours pas retrouvé. Ah oui, c'est... Oui, c'est un peu... Ouais, c'est bizarre. Bon, ça va bien revenir à un moment donné. Ah, le chou. Qu'est-ce qu'il y a, Noxie? Mais Noxie, elle me fatigue. Vous la voyez pas, mais là, Noxie, elle est littéralement en train de dormir sur le cabas en... Vous savez, quand on achète des vêtements en papier craft, là. Alors qu'à côté, il y a son pouf. Il y a littéralement son pouf, ouais, elle préfère dormir sur le sachet en carton. Non, mais en fait, c'est écrit dessus que ça peut durer plusieurs heures. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, si c'est écrit dessus, bon, c'est peut-être pour ça. Ah, en vrai, il y a moyen que ça se voit même pas ce que je suis en train de faire. Alors, je me suis trompé de sang, je crois.
Voilà. Et on va mettre dessus dans l'autre sens. On va faire ça. Et ici, avec le mode tool, on vient faire ça et ça. Échelle 0,999. Et hop là! Je vais aller dormir à deux balles, les copains. Pas de soucis, Camille. Bah écoute, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Et merci à toi d'avoir été là ce soir. Et on se retrouve demain avec grand plaisir. Demain sera le dernier stream de la semaine, puisque je ne streamerai pas vendredi, puisque je serai sur la route pour aller à Montpellier. Pour aller rejoindre les copains de la team S404. Hey, coucou Po, comment tu vas? Comment avance cette rédo? Bah écoute, ça va bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça va? En vrai, vous savez, je vais mettre à mon avis les trucs du jeu de base. Ça va mettre le frigo. Parfait. Ici, on va mettre toi comme ça. Là, on vient te mettre là. On vient te mettre là. Puis là, on va faire la même chose. Ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Hop. Échelle 0,999. Et comme ça, on est parfait. Yeah! Le petit Go qui coûte 2000 simflos quand même. Hein. Il y a quand même une roule de tronche. Hein, ce... Et on va refaire la même chose. Parce que là, on va faire un peu différemment. Eh. Ah oui, mais si je fais ça... Bon, ça devrait être fonctionnel normalement. Hop, échelle 0,999. Ça se voit pas. J'avoue, regardez silencieusement. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Comme je vous le dis, vous pouvez regarder. Vous pouvez être en l'heure, il n'y a aucun problème. Du moment que j'ai quand même du monde qui discute avec moi et que je ne parle pas tout seul pendant tout le stream, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens en l'heure. Ah! Pourquoi j'ai l'escalier qui a sauté? J'adore ce jeu. Casse les pieds à faire un escalier, l'escalier il saute. Ah, pour l'instant, on va mettre celui-là. On va déjà le changer en fait. Hop, voilà. On va mettre une petite rambarde. Parfait. Monde magique. Et je passe. Je vais mettre en F. C'est pas beau ce papier, pas. Mais plutôt celui-là. Ça ira bien. Et coucou Manu. Mais oui, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Jeu de base. Ici, on va se mettre en monde magique. Yes. Ah, j'avais oublié qu'il y avait cette porte d'entrée. C'est ça que je cherche. Pas très folichon quand même cette porte. Mieux que ça puisse être. Ah mince! Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Écoute, j'ai passé une bonne journée au travail, tout ça, tout ça. Toi, j'espère que ça va mieux. Que c'était rien de trop grave. Alors là, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ça. Voilà. Si je fais ça, ça donne bien ou pas? Ouais, ça fera un truc un peu bizarre peut-être.
ça peut passer. Alors, monde magique. On va remettre, à mon avis, le papier peint comme on met à chaque fois. Où est-ce qu'il est ? Il est là-dedans, je crois. Non ? Bah, où est le papier peint de monde magique ? J'ai fumé ou... Là. On va mettre ça en... cette couleur-là, un peu blanc. Yep, yep. Merci de me faire penser. Et je vais boire de l'eau. Je sais qu'on me l'a pas demandé. Je vais le faire. Et coucou, Dauphin Princesse, comment vas-tu ? Comment ça va ? Je vais bien, mais j'ai vraiment mal au ventre avec le... Ah, le bébé donne peut-être des coups. Ça été... C'est assez compliqué. Enfin bref, ça. Bon, bah, du moment que ça va mieux, c'est l'essentiel. J'espère que c'était rien de trop grave, mais si ça va mieux, c'est l'essentiel. Au niveau des cailloux, peut-être mettre ça. Non, ça va pas du tout, je pense mal. Au moins moi. Tu accouches au mois de septembre ? On est au mois de juillet ? Ah oui, 9, 7, 7. Oui, ouais, ça accepte pas. Canapé ici, ici et là. Ah ouais, ça va être un peu compliqué là. Tu fais la... Tu fais une nouvelle maison. Ouais, on a terminé celle qu'on a... Le manoir d'hier. Et là, on en fait une autre. On va faire un autre. Ah ah! Il n'y a pas beaucoup de place. Et ben, je sais pas comment on va mettre le canapé pour l'instant. Oups. Ah, ça m'emmerde, excusez-moi du terme. Jeu de base. Monde magique, ici. C'est une maison que tu as fait ou c'est une que tu as pris dans la galerie? Tu sais, Dauphin Princesse, je n'utilise jamais les maisons de la galerie. Toutes les constructions viennent de moi. Enfin, toutes celles que je construis, voilà, je ne les reprends pas dans la galerie. Et merci, Joanna, pour le post-lamation. Idée. Non, toutes mes constructions viennent de moi. Et si on vous le dit le contraire, bah sachez que c'était pas vrai. Voilà. Allez. On va essayer de rendre ce manoir un peu plus joli là. Parce que, en vrai, j'ai l'impression que monde magique me réussit pas des masses. Hein. Je pensais faire mieux. Ouais, mais la maison, tu crois. Une maison sur la galerie, promis. C'est la même maison. Comment ça? Donc, essaie de mettre le fauteuil face à la cheminée, non? Bah, en fait, si, ce que j'ai fait. Le. Ah oui, si, je vais le comprendre. En fait, il faut qu'on ait accès quand même à l'escalier. Sauf que, bah, là, ça va être compliqué. On n'a pas beaucoup d'espace. Et là, j'aurais bien mis la télé quand même. Les petits rideaux. 200 simfous ce truc quand même. La maison que tu as fait, c'est la même que la galerie que l'on a. La maison là, là maintenant? Oh, ça va être compliqué. Ça m'étonnerait. La maison par contre que j'ai faite la dernière fois, c'est normal qu'elle soit dans la galerie, puisque je l'ai partagée. Mais cette maison là, actuellement... Elle n'est pas dans la galerie.
Hop, ça c'est pas mal. Ok, le petit tapis, on va le mettre ici. On va mettre un petit tapis marron là. L'autre, on va le mettre ici. On va également rajouter décoration là. On est à combien de simples? On est à 53 000. Ah bah, on n'est pas dans le caca. On n'est pas dans le caca, moi je vous dis. Ah, ça, ça, ça coûte trop cher ça. Ah ouais, donc ça coûte 1700 simples, on va éviter. On va éviter, on va éviter. Ah mais j'ai ces meubles là qui prennent de la place aussi, qui pourraient meubler. Bon en fait j'en ai pas spécialement besoin. Pas mince. Si je cherche le ça. Ah d'ailleurs petite question les gens dans le chat, est-ce que vous avez un objet préféré dans les Sims 4? Est-ce qu'il y a un objet que vous kiffez trop dans ce jeu? Ou pas du tout? En fait, le piano, il est... je viens de tilter, mais le piano, il est pas cher. Autant le mettre. Non, bon, on va l'enlever. La télé, on va plutôt la mettre en biais comme ça. Un seul objet préféré, je pourrais en donner un par pack. Mais un seul sur tout le jeu, c'est dur. Bah, un de vos objets préférés à ce moment-là. On va te mettre ici et on va mettre le petit cadre que j'ai l'habitude de faire. What the fuck? Hein? Mais c'est pas supposé faire ça. Il a fumé ce jeu. Bah. Ah, je comprends pas pourquoi. Le miroir de dans la jungle. Ah, j'avoue, le miroir de dans la jungle, il est pas mal. Élévation moins 0,3. C'est longtemps qu'on est petit, c'est ça. Hop. Élévation 0,05. Voilà. Bon, on aura mis du temps, on y sera arrivé. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est pas là-dedans. Alors, où est-ce que ça va être? J'ai désactivé le débogage. Débogage résiné. Depuis quand il y a aussi peu de choses? J'ai dû désactiver un truc sans m'en rendre compte. C'est pas possible. Ah, peut-être pas. Si, il manque des trucs. Il manque le débogage. Voilà. Je me disais aussi. Il y a beaucoup plus de bordel. Qui se met... Ouais, c'est celui qui se met contre le mur qui est un peu en biais. Je pense que c'est celui-là. C'est vrai qu'il est très sympa, il est très joli. Je l'aime beaucoup, moi, celui-là. On peut mettre des trucs sur la cheminée? Ah bah la réponse est non. On peut mettre le... Enfin, je vais mettre le bateau à la main. Ah non, c'est moche. Non. Bon, on va mettre un canapé. Ah bon. Ce qu'on fait... Moi aussi, j'en ai partout. Ah, j'avoue qu'il est très très joli. Il est vrai qu'il est très très joli.
vrai, je pense qu'on va faire ça. Hein. C'est un peu proche de la cheminée, mais bon. Je pense que c'est à cause du tapis aussi que ça donne cet effet-là. Je vais supprimer le tapis pour l'instant. On va supprimer le tapis. On va mettre... Non, pas toi. Surface. On va mettre la table. On va mettre celle-ci, genre là. Ah ouais, mais si je fais ça, les cibles ne peuvent plus passer. Ouh, c'est trop risqué. Les cibles ne passeront pas. De toute façon, je le mets là. Décoration. Non, pas décoration, éclairage. Comme ça. Yes, on va mettre le tapis, décoration. Tapis de monde magique, ouais, il y a celui-là, mais il est rond. Ça m'enquiquine un peu. Ça, c'est trop cher. Les tapis sont moches dans ce jeu. Moi, hier, j'ai fait une maison et j'ai fait comme toi. Ça m'a pris une ville et franchement, ça marche. Comment ça, ça t'a pris une ville? Oh, ouais, c'est peut-être mieux avant. Ça a manqué qu'il insiste, ouais. Échelle, là, si je te mets en 0,8, peut-être que ça ira mieux. Ah, bah, peut-être que oui. Peut-être, peut-être. Ça m'emmerde. Hein. Pour parler crûment. Enfin, je revois toute la base de la maison. Mais... petite plante. Aussi, je l'avais partout. Moi, j'adore mettre les plantes suspendues. J'ai fait une maison moi-même, mais ça m'a pris du temps. Mais j'ai construit et j'ai fait comme toi. J'ai parlé dans mon jeu. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Enfin, princesse, excuse-moi. Et merci. Merci Caro. Merci à toi pour le follow. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à discuter avec nous si jamais ça t'intéresse. Et coucou à toi. Bah de rien, j'essaie à chaque fois de remercier les gens follow, c'est normal. Alors oui, non. Viens à toi, voilà, et toi on va te mettre ici, ça peut être pas mal déjà. Tu as dépassé les 6000 followers. Alors en fait, j'ai eu un petit souci. J'ai eu une attaque de bot. Ça faisait plus d'un an que ça m'était pas arrivé. Et donc, du coup, techniquement, en fait, je me suis pris 70 bots. Donc, on est techniquement à. Et ben, on est à. Normalement, ça va compter. On est à 6087. C'est ça. Ou 6097. On est à 6097 techniquement. Voilà. Ah ouais, il y a eu le son de notif en boucle. En fait, j'ai pas laissé le temps, parce que j'ai mute mes alertes. Je les ai mute et je les ai relancées après, donc du coup, bah ça les a pas mis. Il y en a eu que deux qui sont sortis, les autres n'ont pas été, mis. Bah, j'avais coupé mes alertes. J'ai eu l'habitude, hein, l'année dernière, je me faisais pas mal attaquer. Donc voilà. Surface. Je vais mettre cette table là. Hop. Confort, on va mettre des petites chaises. Je vais mettre celle-ci. S'il y a une couleur qui va avec. C'est quoi, je vais mettre les chaises du jeu de base, hein, tant pis. Est-ce que tu peux dire combien de
temps je te suis. J'ai fait un pari avec ma fille et j'ai dit moins d'un an. Et attends, elle me dit moins d'un an et moi je dis plus d'un an. Tu as follow de Freux en le 3 août 2021. Donc ça fait moins d'un an. Mais bientôt un an. Je le vois quand je clique sur votre pseudo. Peut-être pas cette grande table là. Peut-être mettre la plus petite. Celle qui fait genre 2 de large. Allez. Non, pas dans la jungle. Monde magique et jeu de base. Yes. Là, excusez-moi. Des fois, j'ai l'impression d'être d'avoir des problèmes de vue avec ce jeu. Ah mince, je dois lui préparer le petit déj demain matin. Ah, ah décidément. Entre ça et Apollumi, ça me fait rire. À cause de moi, vous devez faire à manger des trucs... Enfin, je sais pas comment finir ma phrase, mais Apollumi, elle avait fait un pari comme ça aussi. Du coup, elle avait dû. Ils ont dû manger ce que le chat leur avait dit. Ti déjà Oedipe. Bah là, bah, pour le coup, je vais pas tarder à vous laisser. Alors, pas tout de suite, mais d'ici 10 minutes, je crois. Oui, il est 50. D'ici une dizaine de minutes, je vais vous laisser. J'irai. J'ai plein de trucs à faire après le stream. Où j'allais faire ma. Continue de faire ma valise, enfin avec mon sac, parce que ce week-end, comme je vous l'ai dit, demain sera le dernier stream de la semaine, puisque vendredi, il n'y aura pas de stream exceptionnellement, puisque je serai dans le train pour aller à Montpellier pour aller retrouver une partie de la team S404, et j'ai très très hâte de les voir, hein. Parce que moi, j'ai déjà rencontré Cyril une fois, mais les autres membres de la team, je ne les ai jamais vus IRL, donc ça va être cool de te voir. D'ailleurs, normalement, si on arrive à le faire, je crois que c'est le, je sais plus si c'est le vendredi ou le samedi. Non, je crois que c'est le vendredi. Oh, je sais plus. Normalement, il y a peut-être pendant le week-end, on vous fera peut-être un petit live sur la chaîne de Sisourin, un petit live FAQ. Mais c'est pas sûr. C'est si on arrive à tout paramétrer et tout. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, puisque ce week-end, pour le coup, je vais faire pas mal de stories avec la team, si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Ah, tiens. Bah. Bon, bah, je vais faire un plein sur son réseau. C'est rien vu. Comment ça? Attendez. Mes commandes ne marchent plus? Ah, c'est bon. Surface. On va se mettre ici. Et là. On va mettre la petite plante là. Mince. Oh, non. Oh, j'ai tout désactivé, ça paraît prêt. Ici. Débogage organisé. Oui, je sais. Et contenu éditeur direct. Je voudrais la tête de la Marianne. Et je veux juste le jeu de Brazon. Yes. Ah, 1400 simflouz. Combien ma location là, 65 000. Ça veut dire, attendez, je fais un petit coup de sauvage, je vais retourner sur le menu. Enfin, sur le... Gérer les mondes. Ça va me coûter les yeux de la tête.
Ah, ça va être compliqué. Ok, alors, ouais, si, vous voyez, 629 simflous par nuit, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après, je suis content, le monde rend très joli. Bon, la startup est un peu tâche, mais bon, elle est plus petite. Mais j'aime beaucoup déjà ce que ça rend ici. Là, on ferait un grand manoir. Mais alors ici, enfin, en vrai, on n'est même pas là. Ouais, on a fait la moitié du monde, quoi. On a fait la moitié du monde. Peut-être mettre la... Non, mettre la plante là, c'est bien. Ici, on va mettre les rideaux. On va mettre les rideaux. Ah. Oh. Ça, est-ce que ça dépasse? J'ai un peu peur que ça dépasse de l'autre côté. Non, ça dépasse pas. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Activité compétence, on va peut-être mettre le bar. Je pense que ça peut être sympa. Monde magique, là. En vrai, j'aurais trop mis ça comme ça, mais le problème, c'est que ça n'a pas de sens si je fais ça. Ah. Des petites bibliothèques, il n'y en a pas. Celui-là, on n'a que des bibliothèques hautes, et d'ailleurs, on peut l'enlever. Ah, mais si, attendez. Rangement, j'ai peut-être la commode. Oh, pourquoi pas. Il y a un buffet, mais le buffet, il va être dans... Ah ouais, mais non, il est trop haut. Ah, ça m'emmerde. Excusez-moi pour le terme, mais ça m'emmerde. Toi, si je te mets comme ça en pied, pourquoi pas, ça dépasse un peu. Si je fais ça... non, c'est pas... C'est pas joli du tout. Par contre, ce que je préfère, c'est récupérer le petit luminaire qui est là. Le mettre ici, le mettre là. Un autre là et un autre là. Très joli. Bon, le salon, on le refera. Hein, parce que le salon, j'aime pas du tout, mais je pense qu'on le refera demain. D'ailleurs, hop, avant que j'oublie, je vais faire un petit screen de la miniature, enfin de la devanture, enfin la miniature YouTube. Ouais. Voilà, parfait. Comme ça sera fait pour demain. Excusez-moi, je me gratte le pied. Ça, on refera demain. Au niveau de l'étage. L'étage, il est comme ça. Là, on va faire une chambre. Ici, salle de bain. Ici, une petite chambre. Ici, un bureau. Ici, ah bah si, ici, on va faire le bureau... On va faire les trucs magiques, les étagères. Jeu de base, monde magique. Voilà. Parfait. Elle coûte cher, je crois, ces bibliothèques-là. Oui, il y avait 2000 balles, mais... Oh, je me suis dit, ça va, ça n'a pas coûté cher. Ah oui, bingo. Ça dépasse dans le trou U là-bas, c'est pas grave. Et toi, est-ce que... Ouais, ils ont la même couleur. Tu... Ouf, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. Puis en plus ça glitch. Bon, ça je vais pour ah ouais, non jamais. Sauf si je mets peut-être ça là. Ah, c'est peut-être déjà un peu mieux. On va peut-être t'enlever toi là. Là. Porte. Ouais, la porte, je vais la mettre là. Les Sims pourront peut-être... Ah, je sais pas si les Sims pourront rentrer. Au pire du pire, c'est pas la fin du monde. Hop. On va mettre ça comme ça. Et puis, hop, je vais sauvegarder. Aïe, aïe, aïe. Je vais regarder un petit peu, il y a qui est en train de streamer parmi les copains pour voir chez qui je vais vous envoyer. On a NS qui est en train de streamer.
Ça peut peut-être être cool. Il y a la copine Sissourine. Mais Sissourine, je l'ai raid hier déjà. Bah attendez. Attendez, j'ai peut-être une idée. Attendez, je me mute deux petites secondes. Excusez-moi, je suis mute, excusez-moi, merci MB. Coucou à toi d'ailleurs. Mais du coup, comme je vous disais, je vais mettre fin au stream du coup pour ce soir. Donc merci à tous d'avoir été là ce soir. Ça fait super plaisir que vous avez été aussi nombreux ce soir. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment votre présence. On se retrouve du coup demain à partir de 19h30 pour la suite de la rénovation des mondes. Je remercie également la rediff YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'a pas été déjà fait. Quant à moi, je vous envoie chez la copine Magnolia qui est en train de fêter son anniversaire. Donc n'hésitez pas à rejoindre le raid et à faire un petit coucou quand vous arrivez là-bas et à mettre les petits Pikachu avec ma tête dessus, enfin pas comment dessus mais avec le petit Timo de Pikachu, vous savez qui danse là, ça rend trop bien quand on raid. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir été là ce soir, passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien et on se dit rendez-vous demain à partir du coup de 19h30 pour la suite de la rénovation des mondes. Voilà, bye tout le monde.